Hey, bienvenue pour ce premier épisode sur Layer of Fear, donc nouveau jeu d'horreur, donc premier jeu d'horreur j'allais dire, sur ma chaîne Twitch. Donc jusqu'à présent c'était sur YouTube qui était consacré les jeux, on va dire, jeux de peur, mais depuis que j'ai arrêté ma chaîne, je me suis mis à Twitch et j'ai complètement arrêté les jeux d'horreur, je me suis consacré plus sur ma Team Death, tout ça, et d'autres jeux en parallèle. Parce que je suis un peu multi-gaming en passant. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas reprendre des jeux d'horreur, on va dire tout simplement sur Twitch, à la place de YouTube. Bon, on va perdre en qualité, ça c'est sûr. Mais pour le fun et de vous à moi, ce sera plus fun, on va dire. Et comme ça, en même temps, vous aurez des épisodes beaucoup plus longs que de ce que vous avez eu à l'époque pour ceux qui m'ont suivi sur YouTube. Voilà, donc là vous êtes en 60 FPS, normalement 720p, si je dis pas de conneries. Mais c'est juste que vu qu'on n'a pas la source, vous ne pourrez pas voir la bonne qualité que je puisse vous donner. Mais on fera avec la 480, c'est pas non plus mauvais, surtout que ça compense bien avec la 480, avec la 60 FPS. Donc normalement ça devrait le faire. Après je peux peut-être pousser plus en qualité, mais j'avais déjà essayé sur un jeu, je sais plus lequel c'était, ça c'était Mad Max, et ça laguait trop. Donc du coup on va rester en médium, qualité normale, tranquillou. Donc, épisode qui va durer un peu longtemps, là, à quelle heure il est 14, il est 16h, 16h15. Je pense qu'on est bien parti jusqu'à 18h facile. Comme ça, ça vous donne de la marge. Donc je sais pas quelle est la durée de vie de ce jeu. Mais c'est pas grave. En tout cas, j'ai quand même une petite liste de jeux d'horreur que j'aimerais bien faire. Et je pense qu'on va... Je pense que je vais faire ça, ouais. Puis, donc l'histoire, c'est quoi? On va dire l'histoire de Layer of Fear, vite fait. En gros, on est dans la tête d'un peintre, en fait, dans le rêve d'un peintre, si vous préférez, et on voit à peu près toute l'horreur d'un peintre. Ouais, pour qu'on... Je sais pas encore bien comment ça va fonctionner, mais ce que je sais, c'est qu'on va vivre le rêve d'un peintre. Et donc son horreur, tout ça, et on va voir son côté un peu darko, un peu dark, quoi. Allez, c'est parti. Allez. I know how you must feel. Lost. Alone. Hopeless. You probably deserve it. But even for you, there is still a way. A way to bring it all back. The one precious thing you ever truly desired. Finish it. Un peu, ouais. C'est vrai qu'on préfère finir que commencer un jeu d'horreur à la base. Allez. Vas-y, fais-moi rêver. Donc, ce qui paraît, d'après des rumeurs, il fait hyper flipper le jeu. Ok, bon, bah, il doit être déjà dans l'ambiance, ce qui est bien. Ok, oh putain, ça me fait un peu rappeler Outlast. Hein. Et sachez que... Outlast, il va y avoir une suite. Hein. Et c'est clair et net, je la ferai sur Twitch. Ça, c'est clair et net, je suis obligé, quoi. DLC y compris qu'il y aura aussi. Donc, ok. Ah, ok. Donc, ils ont les touches inversées sur ce jeu, d'accord. Donc, ok. Ah, bah putain. Sacré fantasme. Ouais, tranquille. Ok. Viens voir. Ok, bon, bah c'est cool, on voit des morts partout en fait. Mort. Attends, c'est qui? C'est Nicole. Bon, sa femme est morte. Et là, c'est son enfant qui se fait prendre. Ok, oh, je vais laisser le son assez fort. Après, vous me dites hein, si vous m'entendez vraiment pas. Mais je veux que vous flippiez comme moi quand même. Après, peut-être que c'est fort que pour moi. Hein. Et vous entendez le jeu vraiment plus bas que moi, en fait. Je sais pas, parce que moi, j'augmente souvent mon casque à fond. Après, c'est peut-être ma voix qui est trop forte, je n'ai aucune idée. Ok. Ah, bah, c'est simple. Ok. C'est comme Outlast. Ça, c'est comme Amnesia. Très bien. Oh, par contre, là... Ah ouais, non, mais là, le foot mouvement, ça, c'est ignoble. Ça, je peux pas. Ça, je peux vraiment pas le mettre. Juste un truc, je vais habiliter, ouais, mouvement de la tête, ça tu le dégages tout de suite. D'accord, parce que moi je vous donne pas la cuite hein, dans le game.
Mais moi, je me fous une auto-cuite, quoi. Ok. Alors, on a des lettres. Ah. Ah, putain, c'est comme Slender. Ok. Bon, je ne parle pas anglais, donc c'est mort. C'est mort pour l'histoire. Ah non, c'est bon, ok, on peut le traduire. Ah putain, ils m'ont sauvé, j'ai eu peur sur le coup. Alors, monsieur, nous vous demandons d'arrêter d'importuner nos experts en dératisation, ainsi que d'éviter que nous sommes envoyés... Nous en... Hein? Oula, attends, d'éviter que nous envo... que nous envoyer des lettres... Oh, mais ça veut rien dire. Déplacé. Je tiens à vous signaler que ma mère est une femme respectable et n'apprécie guère de telles accusations. Je crois qu'il va y avoir une tempête, les mecs. Hein. Nous, les employés qui sont venus chez vous, n'ont rapporté aucun signe d'invasion des rongeurs. C'est pourquoi ils ont simplement opté pour une vaporisation prophylactique. Ok. Vous pouvez considérer cette lettre comme votre dernier avertissement ou la prochaine enveloppe que vous recevrez sera de la part de vos avocats. En vous remerciant, Carl Danton, parce que... Ok, d'accord. On s'en va les couilles. Ok. Donc il a des emmerdes. Il a des emmerdes. Putain, il fait assez sombre. Je sais pas si sur Twitch, tu... Faut me dire si sur Twitch, c'est pas trop sombre, parce que je connais Twitch. Putain, c'est sympa l'effet de l'eau, là. C'est trop sombre, je vous montrerai les gamins. Ah, il fait sacrément une tempête dehors, quoi. Ah, est-ce qu'on peut courir? Ouais, on peut courir. Putain, il y a de l'eau qui coule. Salle à manger. Ok, salle de bain, pardon. Putain, on n'a pas une lumière, là. Putain, on voit vraiment que dalle. Oh, c'est ignoble. On a une porte ici. Excusez-moi, vous pouvez allumer la lumière. Ah oui, voilà. Ah, voilà, c'est ce qu'on appelle de la lumière. Ah, j'ai une tête. Cool. Enfin, quand je dis une tête, c'est normal qu'on a une tête, mais je veux dire qu'on a un reflet. Dans les jeux vidéo, on voit pas notre reflet. Bon, là, notre reflet est à moitié pixelisé, mais... D'abord, on va regarder tout ce qu'on a autour. Alors, prothèse d'achille, prothèse de jambe. Comment ils ont pu réussir à forer la longueur? Oh putain, d'accord. Là, ils ont loupé la prothèse. Ok. Alors, comment on fait pour se baisser? On peut se baisser au moins? Est-ce qu'on peut se baisser? Ouh, fuck! Rat poisson. Ok. À mon avis, c'est pas pour les nourrir. Hein. Je pense plus que c'est pour les tuer. Hein. Ah bah tiens, voilà. Ouh, yeah, du bandage. Allez, à moi. On peut pas les prendre. Ouais, on allume tout, je préfère quand c'est allumé, moi. Putain, je m'attends toujours à des petits screamers. Hein. Je me dis, ils sont peut-être gentils pour le début du jeu. Ils... Pas du temps dans les jeux d'horreur, en début du jeu, là, en base, ça fait pas vraiment flipper, on va dire. Ouh, du parfum. Ok. Je vais essayer de ralouper quand même. Hein. Ça va laisser tout comme on a laissé. Oh, on a vu, ouf, putain la porte. Ok. Donc il y a un étage et il y a une salle là-bas. Bon, on va fouiller d'abord le premier, le rez-de-chaussée. Salle à manger, tiens donc. Hein. C'est beau. Putain, en tout cas, on n'est pas près de mourir de faim. Putain, même des tableaux qui montrent la... J'ai l'impression que... Oh, on l'a peut-être pas, allez savoir. On l'a peut-être pas. Des belles assiettes.
Je croyais que je pouvais les toucher au début. Ok. Ah. Faut vraiment regarder partout, quoi. Ok, alors. Je me doutais que tu resterais debout toute la nuit. Je t'ai préparé un petit tanka, tu sais, je parie quand même. Rambande, quoi? Rambande permettait à son génie de faire une pause et de ronfler comme nous autres. Pauvre mortel, je sais, incroyable. Et d'autres mots, va te coucher, gros bêta. Je t'aime. Ok, ça doit être la lettre de la femme, en tout cas. Très bien. Bon, je pense que je vais vous laisser lire. Hein, parce que s'il y a une centaine de dialogues comme ça, on fera comme sur Outlast, je vous laisserai lire. Ouais. Ok, la recette de cuisine. Enfin, la recette de course. Enfin, la recette. La liste de course. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Que dalle. Putain, en plus c'est lourd. T'as du mal le. On voit que c'est pas facile à l'ouvrir, tu vois. Putain. Ok. T'en fais pas, chérie. Je suis juste en train de fouiller dans tes affaires. Je regarde juste si t'as bien rangé les choses. Oh putain. Ce qui a fait moi penser de. C'est-à-dire de t'acheter des tiroirs moins lourds, quoi. Parce que putain. C'est béton, le truc, hein. Boum. L'ami, c'est un coffre-fort, quoi, son truc. Cas où c'est une bombe atomique, ces assiettes seront en parfait état, quoi. Mais il y a que dalle en fait dans cette cuisine. Oh, il fait sombre ici. Oh, pas une lumière. Ouais, je vois rien. Ah là. Voilà. Ah, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. La réserve, quoi. La réserve, ok. Bon, ben, rien d'intéressant. On va monter à l'étage. Hein. Putain, ici aussi il y avait des trucs. En tout cas, il n'y a rien. Ok. Allez, Tayo. Tranquille. Bon, là, normalement, on n'est pas encore dans un rêve. Ah, bah tiens, il y a encore des choses là. Alors, je n'ai pas couché la vidéo. Nanana. Ok. Bon, mes clés sont sur le bureau. Ça marche. Ok, donc c'est pour ouvrir ici. Il faudra revenir là. Ok, donc on serre la main à quelqu'un. Après, je pense que lui, ça doit être moi. En fait, j'en sais rien. Allez, hop. Non. C'est celui-là que je veux. Oh, le whisky. Petit whisky. On va se brûler la gueule. Par contre, whisky durci, quoi. Je l'avais dit à ma femme de pas le mettre au congélateur, quoi. Ça se met pas là-bas, quoi. Yeah. Ah, c'est un coffre, ok. Alors. Ok, le triomphe d'un artiste. Voilà. En tout cas, pour l'instant, je sais pas à qui ça s'adresse tous ces messages-là. Je pense que ça doit s'adresser à moi. Ok. Bon, allez, on monte à... c'est encore une salle. Putain, mais il y a pas une porte dans cette maison. Oh, fuck. Ah, bon. J'avoue que quand il y a de la lumière... Bon, j'y vais, quoi. The fuck. En fait, je sais pas s'il faut commencer par en haut ou par en bas en premier, quoi. Il fait hyper sombre, quoi. On voit que dalle. Après, il y a beaucoup, beaucoup de lettres. Hein. Oh là là. Bon, vous savez quoi? On va d'abord monter en haut. On va finir... Ouais, quoi que, on finit le bas. Bon, ça doit être un sous-sol. Vas-y, on l'a vite fait. Comme ça, c'est fait. On passe à autre chose.
Tranquille, Laura, tranquille. Les lunettes de grand-père. Qu'est-ce que ça veut dire? B. Ouais, d'accord. Des poupées. Je t'avouerai que c'est un peu glauque quand même, hein, comme poupée, ça. Je sais pas. Allez, on va aller. Quelques balles ici. Putain, mais on voit rien. Je vois même pas dans le noir, moi, où il y a l'interrupteur. Je pense que même vous, de votre côté, vous voyez rien, quoi. Putain, mais regardez. Ah, d'accord, porte fermée. Putain, je vois rien. Oh, attendez, on va revenir en arrière, les mecs. Parce que moi, je vois vraiment, vraiment rien. Bon, allez, hop, on se tire. J'avais bien en même temps que c'était trop tôt pour le sous-sol. De toute façon, on n'échappe jamais au sous-sol. Dans tous les chutes d'horreur, on n'échappe jamais. Toujours un sous-sol. En tout cas, à force, ces tableaux vont finir par être trop glauques, quoi. Putain, j'avais l'impression qu'on me suivait. Putain, allez. Putain, drôle de bruit de pas qui me fait. Encore une lettre. Ok, du son. Ah non, je l'ai pas cassé. C'est pas moi. Vous avez rien vu. Qu'est-ce qu'on a là? J'ai travaillé toute la nuit, me réveille pas. On bat les couilles. Il n'y a pas tombé sur un streamer. Hein. What the hell? Alors, comme dans Outlast, on ferme tout ce qui est derrière nous. Je perds pas les bonnes habitudes. Putain de ta mère! J'étais sûr. Il fallait bien à un moment donné commencer, quoi. Allez. Trop d'enchaînement de sons, là. La radio qui s'arrête, des. Bah c'est pas moi qui ramassera, voilà. Ouais, d'accord. On va dire que sa femme... Ok, j'aime de bois, ok. Ça, je... Imagine... Ok. D'accord. Bon. On se tire. Ok, verrouillé. Putain, mais bro... C'est quoi ça? Il y a du sang là. C'est soit du vin, soit du sang, ça. Bon, en tout cas, je vais pas savoir ce qu'il y a derrière. Bon, c'est... What the hell? Putain, j'ai pas les sons comme ça quand ils me font. Quand là-bas, on a une porte. Là, c'est le bureau. On va d'abord commencer par la porte, là. Putain, mais what the fuck? Oh, la chambre, enfant. Jouer. Ok. Donc c'est une fille à mon avis qui l'a. Sans vu les couleurs de la chambre en même temps. Trop glauque ces glabelots quand même, il y en a partout. Hein. Oh putain, elle a des poupées comme ça en plus quoi. Oh, la fille qui est pas trop glauque quoi.
Enfin, ça c'est plus mignon, toi, des nounours et tout, mais ça quoi. Mais please quoi. Je sais pas comment on se sent tranquille là maintenant. Ok. Bon. Joli. Et... Ok. Ok. Pas grand chose d'intéressant. Juste 2-3 objets quoi. Ok, mais tout est verrouillé dans cette maison. Oh, mon bureau il est chic en plus. Il est bien glauque surtout. On n'a pas la lumière là? Attends, on n'a pas une lumière. Ah si là. Non, c'est pas un art. Putain, mais on voit rien quoi. Je fouille au pif parce que je vois pas ce qu'il y a devant moi en fait. Ok, tu peux être... Ok, là la clé, mais attends, je vais d'abord fouiller un peu. Putain, il y a du verre partout cassé quoi. Peut-être un alcoolique, hein. À savoir. Ah ah. Alors mon cher ami. Ok, enfin, ça veut dire que toutes les histoires, il les met au globe, quoi. Putain, merde. Soit point, ne soit pas glock, quoi. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, c'est un peu violent, quand même. Ah ouais. Ah, il se fout pas de notre gueule. Attendez, on va voir l'histoire de notre personnage, quand même. Non, c'est pour en haut. Donc, j'ai fait... C'est un géant loup, donc c'est un loup-garou, déjà. C'est même pas un loup normal, c'est un loup-garou, quoi, le truc. Devant un hobbit, quoi, normal. Ensuite, oh non, mais laisse tomber, quoi. Ah bah, pff, ah bah, attends. Bah oui. Ah bah, carrément, car attendez, mais oui. Ah, mais il est sérieux, lui. Ah ouais, en plus, il y a le sang partout. Non, elle le capte pas, quoi. Ah bah, pff. Non, mais. Ok. Non mais je comprends, attendez, je comprends maintenant pourquoi le message de l'autre quoi. Faut que tu te réveilles quoi, mais c'est quoi ça mon gars? C'est une histoire pour enfants, c'est presque devenu un cauchemar quoi le truc. Non mais il est sérieux lui. Ouais je prends la clé, oh putain on va vivre un enfer, hein. Vu comme il est déjà glock le mec. Ah non mais laisse tomber quoi. Ah bah putain on peut avoir de la lumière quoi. Ah putain on peut avoir de la lumière depuis le début en fait, attends. Ou la dernière lampe là. Pas de lampe ici? Non. Bon, on a la clé. Allez, on se tire. Ah, bah voilà l'entière, plus tard où elle était. Putain, mais regardez-moi ce tableau quoi. Please. C'est quoi? Il est poilu en plus. C'est quoi? C'est un chat ou quoi? Oh, le mec quoi. Bon bah il faut redescendre en bas, tiens je vois la chambre là, avec le sang par terre. Non, bah à mon avis c'est pour en bas. Tiens j'aime pas ce tableau. Bon bah c'est pour cette porte là. What the fuck? Oh, la porte qu'on a essayé de fermer.
Ah ouais, ça y est, on commence à rentrer dans les tableaux encore plus bloc là. Des morts, encore des morts. Des morts. Des morts. Ok. Attends, on va interagir avec ça, on va fouiller. Ok. Ouais. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Que des pinceaux. Putain, mais what? Ok. Bon bah. Let's go, hein? Ah, attendez. Hop. Excusez. Perdu, tu le mérites probablement terminé. Non. Qu'est-ce que c'est? C'est un pendu? Ok. Bon, ben, commençons la peinture. Commençons la peinture. Allez, on va s'amuser un peu. Est-ce qu'on peut interagir? Faut que je peigne, c'est quoi? Quoi le délire? J'allais dire si je revenais qu'il y avait un. Qu'est-ce que c'est que ça? Get. Tu plantes pas cette fois. Te plante pas cette fois. Alors ça y était pas, ça. Hein, ce message. J'ai même pas envie de revoir la porte, de voir ce qu'il y avait derrière. Regardez, le son et tout s'est calmé. Il n'y a plus de musique, plus rien. Faire quoi, en fait? Putain, je suis sûr qu'il faut sortir. What? C'était pas comme ça avant. Ok, on est dans un rêve là. La fenêtre, hein. Ah, si c'est bien ce qu'il y avait. Enculé. Oh. Ok. J'aime pas le rideau là, franchement, il me bloque un peu celui-là. Ah putain, les couleurs ont encore changé. Ok. Encore un message. Tourne en rond. Non, je veux pas tourner en rond. Putain, je sens le screamer, arrête, putain, enculé Dieu, va. Ah, il est là encore pire coup de classe, quoi. Sans ta mort. Comment on tourne en rond? Putain, je suis tendu là, ça y est. Il est tendu de l'amigo. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, le fameux piano. Ah! Ah merde, non, j'ai crashé! Oh, mais non. Bon, il y a une sauvegarde automatique. Oh, pourquoi j'ai crashé?
Oh, c'est pas bien. Ça me rappelle Zombie, ça. Zombie You. Il m'avait bien saoulé celui-là pour cracher. Merde. Bon, attends, ça relance. Hein. Attendez, ça relance. Espérons qu'il y a. Je vais rusher de toute manière si on est qu'au début, mais. Oh. Pas de coup comme ça quand même. Je vais raser simplement une photo, quoi. Oh, j'espère que ça a marché, quoi. Ok, c'est à partir de là. Très bien. Oui, c'est vrai. Hop. Alors, on sait ce qu'il faut faire. On y va vite. Ok. Ça marche pas deux fois sur le même chevalier. Tourne en rond, tourne en rond. Ah oui, c'est vrai. On va voir si ça recrache. Non, ça crache plus. Ok, on a juste eu un bug, c'est tout. En tout cas, vous voyez le jeu, bon. Ouais, vous voyez bien, c'est bon. Problème sur ça. Ok, on continue. Heureusement que les sauvegardes se font tout seul. Hein. Bon, c'est pas grave, ça peut arriver, les crashs. Hein. Après, le jeu, il fait pas non plus. Il est pas très très lourd, il fait 1 giga et quelques. Ils sont plutôt légers, mais très flippants, vous voyez. Même si c'est pas lourd, ils arrivent quand même à. Putain, mais il devait y avoir un tableau là. J'ai pas trop son. J'ai pas la confiance tranquille dans cette salle là. Ok. Oh fuck. 5, 8, 8, 5, 4. Ok, 8, 5, 4. Ok. Vite. Putain, il y a les esprits du. De Satan, con. C'est marqué. Regarde. Attends, merde. Regarde de plus près. The thought alone that the most beautiful piece of art doesn't have my name on it is killing me. So, will you marry me? Putain, ça fait flipper quand même, quoi, pour une demande en mariage, quoi. Ah, maintenant il faut un screamer parce que on a plus de salle. Ah ouais, d'accord. Ne jamais oublier, ok. Donc ça veut simplement dire, à mon avis, qu'il y aura des codes marqués dans les tableaux. Il faudra allumer des bougies pour voir des codes et tout. D'accord. Fuck. Ok. Tu vas faire fouiller dans mon atelier. Je le répète pour la dernière fois. Tu n'as pas le droit d'entrer dans cette pièce, même si tu as la porte ouverte. Je l'interdis. C'est ton dernier avertissement. La prochaine fois, tu devrais te trouver un nouveau travail. Très bien. En tout cas, il y a de la hantise dans le coin. Stop! Il est glauque en plus le fauteuil. Qu'est-ce que. Pourquoi une feuille? Pourquoi je peux pas la lire? Pourquoi c'est si calme? Ah, putain, il y a un bébé renversé là. J'ai une poupée renversée. Ouh, des dominos. Ouh, un feu. Attends. Ok, que dalle. Ça pue la merde, vous voyez. Oh, je vois rien. Ah, oh, putain. Enfoiré. Putain, je vois vraiment rien, les mecs. Je veux juste cette bougie. On va se diriger vers la bougie. Oh putain. Poussière de souris, même dans mes pouvoirs, gothès, saleté de vermine, il y a toujours plus. Ouh, putain. Ah ouais, mais ce jeu, c'est screamer sur screamer, c'est pas possible. Ok, il y a une autre bougie. Oh, il y a la lampe. Interrupteur. Ah.
Ah! Fuck. C'était obligé, ils se sont dit que ça, quoi. Ils voulaient qu'on se retourne. C'est inévitable. Pourquoi la salle serait noire, noire, noire de chez noir? Oh my goodness. Oh, pas les escaliers, pas les escaliers. Pas les escaliers, pas les escaliers. Il faut se calmer dans les screamers, là, les mecs. Il faut se calmer. Il y en a eu trop, eu. Bonjour. Oh, nous revoilà. Je vais t'appeler Jean-Paul. Nous voilà, Jean-Paul. Comment tu vas? Tu m'aspires pas confiance, Jean-Paul. Peux-tu détourner le regard? Youhou, youhou. Ça sent la merde, hein, mais youhou. Ouais, je sens que à chaque fois que je m'amuse avec des objets, ça finit toujours par me... Ça me finit toujours dans la gueule, quoi. Ok. Jean-Paul, on se calme, hein. Tranquille, Jean-Paul. Ah, cette salle me rappelle des choses. Moi, ces dominos me rappellent aussi des choses. Ah, c'était là où il y avait le bébé. Bah oui. Alors, Jean-Paul, on fait le malin? Ne regarde pas comme ça, Jean-Paul. Tu sais ce que je parle. Ok. Oh fuck. T'as amené tes gens, t'as amené tes amis, t'as amené tes amis en fait, Jean-Paul. C'est comme ça. Alors ici on a Alberto. Ici on a pas de visage. Bien. Ouh, ils ont des reflets bizarres eux. On dirait qu'il veut me bouffer. Regardez, il a un double visage. Ah, qui veut sortir du. Ils ont tous des doubles visages en fait. Sont-ils vivants en fait? Fuck! Ah! Enculé Dieu! Mensonge à la peinture! Non mais sérieux! Je le savais que c'était horrible. Now, a tiny bit to the left. Yes, just like that. Hold that pose. I want to get all those lovely curves just right. Salaud! Salaud! Putain! Putain, mais c'est screamer sur screamer, j'ai horreur des jeux comme ça en fait. J'ai horreur des jeux screamer en fait. Ça, c'est. Je... Tout le long en fait, y a pas d'histoire, c'est du scream en fait. C'est du scream. Sa vie, c'est un scream quoi. S'il vous plaît quoi. C'est qui? T'es le frère de Jean-Paul? C'est ça? Putain, je la sens pas cette salle. Qu'est-ce que t'as fait? Oh, forêt. Oh, il s'est. Oh, il s'est brûlé, d'accord. Il s'est jeté dans. Ok, bon. Ils sont loyaux à vous. Ok, j'ai compris. Oh putain, qu'est-ce Qu'est-ce qui se passe, putain? Ok. Oh putain, mais pourquoi le jeu veut que je me rapproche de ce tableau? Pourquoi donc? Pourquoi donc Ah, c'est les rats, il veut que je m'approche des rats, quoi, qui brûlent. Oh putain, même le vent il m'a fait. Putain, je suis pas bien là. Oh putain, la statue. Stop. Bonjour. Ah. Tu sens pas le stream là encore? Frère de la veille. Ah, c'était sûr, salaud! Il y a un visage qui sort, ça. Ah, ah ouais. Putain. J'ai presque. Saloperie!
On bouge plus. On reste comme ça. On est bien. Bon. Trop de pression ce jeu quand même. Trop de pression. Ah ouais, d'accord. Des têtes qui est pendue. Ok. Bon. Ta vie est un enfer, jeune peintre. À ta place, je me suiciderai, tiens. Putain. Oh fuck. J'ai même plus envie de me retourner, c'est comme Slender, on est bloqué, on est titanisé dès qu'on doit se retourner, quoi. Please. Chier. Merde, je m'attendais pas à un jeu comme ça quand même, je me savais qu'il faisait flipper, mais. Pas comme pas autant de streamers. Dans chaque salle, il y a un streamer caché en fait. C'est ça le délire du jeu en fait. Vous êtes dans le chapitre 58. Trouvez où se cache le screamer. Vous avez 5 secondes. C'est trop simple, quoi, putain. Pensez-vous survivre à ce screamer? Quand vous perdrez prise de votre petit cœur fragile, hein? Putain. Ah, je la sens pas cette salle, il y a trop de vent. Ah, chier, j'ai presque plus envie d'avancer. Tiens, rien que cette vitre là, elle me fait peur. Nya. Nya. Je me retourne, attention, je me retourne. Aïe, aïe, aïe. Oh putain. Vois, des fois, ils mettent des seuils, il n'y a rien qui se passe. Tu vois, demain, t'es pas bien, tu sais qu'il va se passer quelque chose. Mais il se passe rien en fait. Ouais, t'as raison! T'as raison! Je bouge plus! Je bouge plus! C'est fini! Je me cache derrière cette vitre. Tu peux pas m'atteindre! Tu peux pas m'atteindre, enculé! Tu mourras pas avec tes pleurs! C'est mort! C'est mort, tu mourras pas avec tes fleurs! Fuck! Ah putain, je suis pas bien, franchement! Ah, j'ai des frissons, les mecs, je sais pas, c'est. Ah, il me met mal à l'aise, quoi, je. Vas-y, on va repartir sur du D-Space, je pense, parce que. Il a son charme, mais lui. Oh, l'enculé! Ah, please, arrête! Ah! Ah! Je suis pas bien, faut changer la trouille, les mecs. Ils veulent qu'on rentre dans cette pa. Ils veulent pas qu'on. Ouais. C'est ce qu'ils veulent, enfin. C'est ce qu'ils veulent! C'est ce qu'ils veulent! C'est ce qu'ils veulent! Putain! Tiens! Je suis pas bien, ça va être ici, mon gars! Non! Faut se retourner maintenant! Ah putain, ça fait posséder et tout, quoi. Ça me fait peur! Non! Ah, je suis pas bien, les sons qui s'arrêtent de. Plus de musique, plus de son. Oh putain, non! Non, pas avec ça, putain, pas avec cette ambiance. Tout sauf ça. Ah non, elle s'arrêtait de pleurer. Ah, oh, vous voyez, ah, je vais sursauter ma putain de race, si c'est le cas. Oh putain de merde. Plus on avance, plus c'est horrible en fait. Y a pas de lumière en plus. Les ombres, là, ils vont jouer avec les ombres, c'est obligé. Ah. Obligé. Ah non! Putain, les mecs, je suis pas bien. Hein. Putain, je suis pas bien, les mecs. Faut que je respire. Je peux pas continuer, en fait, c'est ça qui est chaud. Ça me bloque. J'ai envie de foncer, mais. Ah, c'est horrible. Ah, je suis angoissé à mort, en fait, là. Tu vois, j'ai une prise d'angoisse, là. Ah, je suis. Ah, puis j'ai le son fort, fort dans les oreilles. C'est ça qui vous imagine pas. C'est ça que moi, en fait, j'aime bien avoir le total peur, tu vois. Et je sens plus mes mains, putain de sa mère. Et encore, il s'est passé pas grand-chose, c'est du scream, quoi. Mais j'ai horreur du screamer. Oh putain de sa race. Il y a quelque chose derrière cette porte. Regardez, c'est. Regardez, cette armoire, je n'ai même plus parlé tellement. Ah, c'est horrible, après des pleurs, comment tu vas avancer, quoi? Ah merde, mais non! Non! Ah! Non! Ok, on pensait couille! On pensait couille! Aïe aïe aïe! Allez, hop, on ouvre la porte! On se retourne pas! Ah, oh putain, il y a un message ici! À chaque fois qu'il y a un message, ça part. Le premier pas est le plus dur. Ta gueule! Putain!
Ta gueule. Je pouvais pas le plus dire. Tu fais tester mon. Ah, premier pas le plus dur. Voilà, c'est bon, allez, on s'en bat les couilles! Parce qu'en fait, ils savent qu'on flippe à mort. Ils savent, ils se mettent dans l'ambiance. Ils veulent nous troller, tu vois. Ils nous trollent le jeu, quoi. Oh putain, la salle à manger. Ah, chaque fois qu'il y a un tableau, ça part en couille. Hein. Ce tas de fruits là, ça pue la merde. Hein. Je vous le dis, moi. Et on n'est pas allé dans le sous-sol, hein. Me dis pas que c'est juste le premier pas. Genre, vous avez réussi la partie qui était juste dans cette salle. Après, il y a les autres salles, tu sais, il y a le sous-sol, il y a. Tu vois? Me dis pas que c'est juste la première salle, qu'il y a tout un parcours dans la première salle, tu sais. Et après, allez, vous avez fini la première salle. Bien joué. Veuillez faire la deuxième salle à présent. What the hell? On aurait été sur Amnesia, j'aurais filé en courant ma race là. Putain, je vous avouerai que je me serais caché derrière dans une armoire ou un truc comme ça. Bon, on a déjà fouillé cette salle. On devrait pas. Ah merde! Oh non! Ah, bon, bah le tableau. Ouais. Je sais qu'à chaque fois que quand j'ai bougé ça tout à l'heure, il s'est passé des choses en fait. Les trucs. Les deux portes sont verrouillées. Ah, la clé doit se cacher dans un arbre. Ah, les enculés. Je vois où ils ont planqué la clé. Tu as fouillé et tu as pensé puis à fouiller. Fouille mieux que ça. Ah, fouille mieux que ça. Ah, on m'appelle. Oh, je réponds pas. Fuck you. Attends, en ce moment, les pubs, je sais pas ce qu'ils ont avec moi, mais ils me veulent violence. Attends, on va attendre que ce viveur là, parce que là, il me stresse sur les airs. En plus, il y a le téléphone qui sonne, mais attendez, je suis pas dans l'ambiance là, putain. Ah, il faut en même temps que ça me troll comme ça là, attendez, hey. Oh! Stop là. Suffit. Bon. Oh putain de merde! Ça n'a pas marché la première fois que je l'ai passé. Pourquoi? Pourquoi? First, I looked for a canvas. Not just any canvas. I had to find a knife. Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact, and then carefully flayed the skin. Booze helped keep my hand steady. What the fuck? Un indice! L'indice. Il est glauque ce mec, hein. Putain, lui son art à la con. Ah, là tu vois, il éclaire la bonne porte, tu sais. Vas-y, What the... Putain, je marche dans les pommes aussi. Ok, oh là, le tableau. Enfin, attends, excuse-moi, on va refermer la porte derrière moi. Putain, j'avais cru que le tableau avait disparu quand j'ai fait ça, sa mère. Il y a une lettre là. Ok.
Respire un grand coup, souviens-toi, tu es un professionnel, c'est juste les premiers coups d'un pinceau, c'est le plus dur, blablabla. Toi, c'est difficile. Aïe, 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 calamba. Ok. Ok. Ah, bah tiens, la dame. C'est ma collection, en fait, si je comprends bien. Ah ouais. Ah, on est loin d'avoir fini le jeu, quoi. Oh la vache. Encore le rat. Tout est lié, putain. Pourquoi je vois pas le lot qui tombe et tout derrière moi comme tout à l'heure? Ah putain, mais là maintenant il faut dessiner quoi. Bon bah c'est parti, on dessine. Oh what the... Oh, il y a la porte à gauche qui s'est ouverte. Ok. Tout s'est verrouillé, putain. On a quoi sur le tableau là? Qu'est-ce que c'est que ça, putain? Oh, ça a l'air d'être glauque. Ah, il est horrible, en tout cas, le jeu. Franchement, si vous aimez bien les screamers, ce jeu il est parfait quoi. Si vous êtes comme moi, c'est. Par contre, je vous dé. Oh non! Rêve sans forme. Ok, bon, bah, partie 2. T'imagines, en fait, pour chaque truc de peinture, il faut aller chercher l'aspiration. Et pour aller chercher l'aspiration. Oh putain, c'est ça en fait! Il faut que je me retape le truc à chaque fois quoi. Et il s'empire au fur et à mesure que j'avancerai dans ma folie, quoi. Dans la folie du joueur, plutôt. Enfin, du personnage. Putain, mais c'est fou. Bonjour! Une question, petit. Ouh, l'ascenseur. Allez, hop. Hop. Voilà. Pas de screamer. Ferme la porte. Et on accroche. Donc là on monte et l'autre c'est pour descendre. D'accord. Bon, on commence par en haut. C'est parti. Voilà, des esprits maintenant. Oh, ça sent la belle, le beau screamer ça. Pas les esprits quoi. En même temps, on n'a pas vu la femme qui pleurait, donc bon, il faudra bien sûr le voir. Putain, il faut après on peut descendre. On dirait que ce jeu a été fait à la base de Amnesia, en tout cas. Je sais pas pour si vous avez remarqué, mais il y a quand même des bases, quoi. Tout est pareil. Bon, verrouillé. Je vous avoue que si je joue jusqu'à 18h hein, ce jeu, je suis un big boss parce que big boss. MDR, mais. C'est dur, quoi. Je pensais pas que psychologiquement il allait tellement me faire mal en fait. Ah! Ah non! Ah non, je vais pas me retourner, les mecs. Là, le son et tout s'est baissé en plus pour que je me retourne. Il veut que je me retourne le jeu. Bordel à queue! Oh, la porte là s'est ouverte! Elle était fermée tout à l'heure. Bordel à queue! La clé. Oh fuck! Ah, la dame au piano. Je sens, j'entends les démons qui veulent me posséder. Oh putain. Honey, please, just a little longer. At least until I finish painting this one part.
Oh, don't make me beg. Oh, fuck. Un bête son, là. Sachez que c'est un effort, hein. Chaque bout de pas dans cette putain de maison, c'est un putain d'effort. Ils veulent qu'on va à celle-là. Oh, il y a un couloir à gauche. Ok. Bonjour, c'est pour livrer la pizza. Je viens dans cette maison pour vous la livrer. Veuillez ne pas me faire de... Oh, fuck. Veuillez ne même pas faire de mal. Je suis là en ami. J'ouvre les armoires de votre maison. Veuillez m'excuser, je ne veux pas vous déranger. Je sens un mauvais pressentiment dans votre maison. J'ai presque pas envie de vous rencontrer, si vous voyez ce que... Oh fuck. Si vous voyez ce que je veux dire. J'aime pas quand je vois une porte verrouillée, je sens toujours le screamer derrière moi en fait. Et là du coup on monte à l'étage. Okay. Je sens que sur le toit vous faites des choses bizarres. Enfin, dans votre maison il se passe des choses. Je suis votre ami. Je ne suis pas votre... Oh fuck, je crois que je vais tomber dans le feu. Est-ce que vous sentez ce coup foireux? Je m'approcherai pas de ce vide. Je m'approcherai de la porte arrière. Et qui a l'air complètement... glauque. Bah, je m'approcherai de votre feu. Vous savez, des enfants bizarres. Je vais brûler. Parce que je suis con. Je marche là où il faut pas. Je voulais que tu marches pas sur ça, putain de ça. Mon dieu. C'est vos enfants? Est-ce que c'est votre petit enfant que vous voulez me présenter? Ah! Sa mère! C'était votre enfant. Pas bien de les cacher dans les coffres. Allez hop, enferme ça. Hein. Oh, putain de sa mère. Vilain. Vilain. Ouh, une petite salle. Une petite salle. Putain, je regrette d'avoir commencé ce jeu quand même. J'ai un petit regret quand même. Il y a un message là-bas. Décide-toi. Oh, bah oui, je vais y aller. Bah. Ah. Est-ce que c'est bien ce que je comprends? Bonjour le troller. Ah, non. Ah, bah non, bah non, bah non. Ah. Vous voyez? C'est ce qu'il fallait pas faire. Allumer la lumière. Ça fait venir les démons. Bon, bah ouais, je voudrais bien venir, mais qu'est-ce que tu veux? Pas très envie. Ouh, les mules. Le mule? Le mule d'Elcidant. Ah, une petite chambre. Je vais d'abord voir la souris, parce que la souris amène toujours. On va dire, dans ce jeu, j'espère, mais amène vers la bonne conscience. Ah. Ah, ok. Bon, on va y aller. Dans l'antre du démon. Dans l'antre du démon. Fuck. J'ai pas fermé la porte. Bonjour. Ah, c'est Danigo. Comment t'appelles-tu? Tu portes une ombre assez flippante, je t'avouerai. Elle m'apporte pas confiance, cette salle. Je vous avouerai qu'elle est un peu glauque, cette salle. Alors, on va voir. Un coup, c'est. Ouh, un globe, encore un globe. On joue au globe. On fait tourner la globe. Ok. Ok, que dalle. Ici, on a quoi? On n'aurait pas des lumières dans la maison? Putain, toi, tu fais vraiment peur, Ginette. Ginette, tu fous les jetons. T'es qui, ça? Oh, fuck. Oh, fuck. Je crois que ce personnage est en train de bouffer un enfant, en fait. On le voit à peine, hein, dans l'ombre. Mais, personnellement... Ok. On fait le bruit de la porte.
Rock. Bon, ça va, ce streamer, il m'a pas trop non plus. Ok. Ouh. Ouh. Que se passe-t-il? Qu'avez-vous fait à la maison? Ouh, un coffre. Ah ah, un coffre à combinaison. Ça ne peut dire qu'une seule chose. Allumer la lumière. Allumer la lumière. Alors, viens voir. Donc, les tableaux de... Ouais, bonjour. Ça, je vois un tableau, ça me fout un peu les jetons, quand même. Je vous avoue, je suis pas bien. Je pense que si on met la main sur le cadenas, même avant de savoir le code, ça ne peut que apporter des malheurs. Allez, on prend le risque. Qu'est-ce que c'est que cette combinaison? C'est quoi cette combinaison? Alors on fait 1, 2, 3. Ah putain, c'est un truc comme ça quoi, putain. Putain! Bon, allez, on se tire. Je pense qu'on n'a pas la combinaison pour l'instant, on n'a pas de lumière, donc on peut pas compter sur ça. Par contre, les chiffres se trouveront dans les salles obscures de l'infini. Oh putain, elle est bien obscure pour être obscure celle-là. Oh putain. Une horloge. Putain, mais c'est cloque. Bonjour. Ah, nous avons une armoire qui est en train de fondre. J'ai pas une armoire. Un tableau en train de fondre. Ok. Je suis pas bien, hein, les mecs. Hein. Je vous avouerai que je suis un peu dans un petit stress, là. Ça fait 2 heures que je me répète, mais sachez que... Il se passe des choses dans cette maison. Ça, c'est sûr. Allez, on fait tourner le globe. Je suis sûr qu'ils vont finir par niquer avec ce globe. Ils veulent qu'on le tourne. Hein. Ils veulent. Hein. Ils cherchent qu'on veut tourner ce petit globe. Il va finir par m'arriver dans la gueule, ce globe. Putain, une armoire avec le globe. Vous voyez, ça sent la belle, le beau screamer de l'infini. Ok, c'est sûr. Nous sommes arrivés dans l'autre monde. Bienvenue dans l'enfer, enfoiré. What the fuck is that? Voici la réalité dans laquelle vous étiez vraiment, hein, fils. Impossible de l'effacer, très bien. Ok, bon ben... Je vais faire tourner le globe parce que j'aime ça. On fait tourner le globe. Dans le... Ok. Oh. Bon, ben tant pis pour la combinaison, hein. De toute façon, je pense pas que c'était utile pour la fin du jeu. Oh, pas des chiens, hein. Oh, pas ça, hein. On va se calmer, là. Ah, le tableau avec le chien. Bah oui, bah oui. Oh, je sens le boss screamer du chien. Ah, bah voilà. Ah, ouais, là, j'avouerai qu'il est pas... Il est bien cuit, quoi. Ouh, j'entends les esprits dans les serviettes, là. Parlez-moi, parlez-moi. Moins fort, moins fort. Je vous entends mal. La voix du démon, je l'entends mal. Ouh, la petite chambre. La petite chambre obscure. Ouh, putain. Je suis un peu angoissé, quand même. Alors, attention. La lumière dit toujours les problèmes, mais peuvent nous révéler les chiffres. Ah ! Oh putain ! Ah, je pourrais, je me suis retourné net comme ça en plus. Ah ! Alors, vous m'avez retrouvé, chaise. Comment osez-vous ? Déjà, vous bougez tout seul, et maintenant, vous vous déplacez dans toute la maison ? Inadmissible. Ce n'est pas possible. Évitez de me suivre. Je cherche des combinaisons, alors s'il vous plaît, un peu de respect. Mon Dieu. Oh, c'est incroyable. Cheveux, ouh, des portes partout. Ouh, des portes fermées. Ouh, des portes encore fermées. Ouh, des masques. Ouh, ça sent les tableaux qui vont partir dans tous les sens. Ouh. Ah! Oh, lui, il me plaît pas. Ouh, Jean-Claude, là, il se passe des choses. Ah non! Non! Pas ça! Ah, pas ça! Attention! Ah, ok.
Moi, je vous avoue que là, je sens le screamer à plein cul. Ah, j'étais sûr. Ça sentait que ça. Une salle fermée avec deux tableaux, quoi, sans déconner. Ça devait arriver. Oh, fuck. On est revenu au point de départ. Vilain tableau. Bon, bah, on va retourner dans les salles où c'était fermé. Ah, bah, là, c'est ouvert maintenant. Bonjour. Vous avez perdu votre ventilo. J'essaie de déconner. Oh, heureusement, j'étais pas en train de regarder. J'étais pas en train de regarder l'écran, quoi. Putain, j'ai de la chatte là, sur ce coup-là. Ce screamer, il m'a pas fait peur, hein. J'ai de la chance. Ce que j'allais dire, oui. Merde, bah, du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire, voilà. Mais bravo, 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 bravo. Bravo. Oui, je voulais faire. On va dire que je suis. J'essaie de me donner un peu de courage, vous voyez. En essayant de passer, on va dire. Le petit troll vocal. Ça me permet de garder un peu de. Un peu de courage, parce que je vous avouerai que si je reste trop sérieux, je vais finir par faire une crise cardiaque, en fait, c'est ça le truc. Ah, putain. Bah, c'est pas possible, en fait, de rester sérieux dans ce jeu. Tu restes sérieux, t'as ton. Oh putain, Jean-Claude. Comment tu vas, Jean-Claude? Ah, comme ça, on veut me faire le con, Jean-Claude. Regarde-moi bien. Regarde-moi bien, Jean-Claude. Ça suffit maintenant, les conneries. Ça suffit. On arrête les chaises, on arrête tout, là, maintenant. Ah, ton portrait, on l'a assez vu. Arrête, regardez comme ça va pas. Oh, la porte veut communiquer avec moi? Qu'est-ce que c'est le délire? Oh putain, non, pas ça! Ah, moi je suis joueur, Jean-Claude, hein. Sache-le, je suis joueur. Ah, oh putain, je l'ai même pas ouvert la porte, sa mère! Oh. Je suis joueur, Jean-Claude, et je paye les conséquences. Pas de soucis, Jean-Claude. Ah, ça sent les problèmes, ça! Ah, ça sent bien les problèmes. Jean-Claude, si tu veux ce que je te dis. Ça sent bien la merde. Mais bien la merde. Dans toute sa splendeur. Ok. Petit moment de lecture, c'est comme ce que j'aime bien dire sur Outlast à la base, parce que ça me permet de respirer un peu pendant ce temps de lecture, en fait. Putain, parce que franchement, il est horrible. Hein. Chaque pas dans ce jeu est une grande souffrance, sachez-le. Ok. Jean-Claude. Jean-Claude, je t'ai dit quoi? On arrête les bêtises. Oh putain. Jean-Claude. On a une lumière. Jean-Claude. Jean-Claude. Il n'y a personne, Jean-Claude. Non. Non, Jean-Claude, je t'ai dit. Oh, le téléphone qui n'est pas. Attendez, j'enlève le téléphone de là parce que Jean-Claude il veut rentrer, vous voyez ce que je veux dire. Jean-Claude il se tire. Jean-Claude ? Reste pas dans le couloir, Jean-Claude. S'il te plaît, Jean-Claude, respecte un peu le stream quand même. Dis donc. Oh, il fait tout son fier, Jean-Claude. Bon, on voulait récupérer un truc ici, je me rappelle même plus où c'était. Ah, voilà. Ça, c'est cette putain de clé que je voulais. Bon, il y a Jean-Claude dans le couloir, donc on va faire attention, parce que Jean-Claude, il est pas très commode. Il aime faire peur aux amigos, et franchement, il y arrive en furie. Jean-Claude! Oh, Jean-Claude est retourné dans le tableau. Jean-Claude, dis-moi donc, que... Jean-Claude, qu'est-ce que tu as fait? Jean-Claude, il s'est tué, je crois. This house is absolutely amazing. But those stairs. With that leg of mine, I think you'll have to carry me to the bedroom once we move in. Bon, bah, Jean-Claude est mort. Très bien. Comme ça, c'est fait. Allez, on va retourner à la salle d'où il vient parce que. Ah, bah voilà. En tout cas, il y a des sacs qui nous manquent. Oh putain, les premiers pas sont les meilleurs. Ah, je me rappelle ce petit message dans ce petit couloir de fumier. Alors, Jean-Claude venait de là. Donc, qu'est-ce que tu as fait, Jean-Claude, en fait? D'où viens-tu, en fait? Qu'est-ce que tu as fait, des ravins? Oh, la chambre de la maman. Putain, de la femme. Ouh, il y a des esprits dans cette armoire.
Esprit, sortez. Libérez-vous, esprit. Libérez-vous, esprit, dis donc. Mais je me rappelle, dans ce armoire-là, il y avait des putains de vases qui m'essuyaient, tombés sur la gueule. Bon, ben, Jean-Claude. Claude. Je vais réveiller ta femme volontairement parce que bon, même si elle n'est pas là, mais on prend le disque, on met le disque et on fait tourner les serviettes. Réveille-toi, femme, réveillez-vous. Je crois que j'ai appelé le démon. Ouh. I needed a jar and a plastic tubing. I siphoned gas before. I knew how it was done. Salut, Kaline. I stuck the tube in a vein and sucked on it until blood filled my mouth. Then put the tube in the jar and it just kept coming. A taste of copper haunted me the entire night. Why didn't I think of a syringe? Okay. Mm-hmm. Bon. Après le carnage de la salle, je pars. Je repars dans ma maison. J'emmerde plus les esprits, en fait. Comprenez que j'emmerde plus les esprits, c'est fini. Par contre, je pars où? C'est ça la vraie question. Les esprits encore? Hein? Bah. Oh putain, qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce que est l'élément déclencheur en fait de cette folie? Qu'est-ce qui est le putain, je vais pas dire ça, mais quel est l'élément déclencheur de cette petite folie? Je sens que je vais tomber dans des profondeurs obscures là. C'est vous? Qui faut que je dérange là pour sortir de cette salle en fait? C'est ça la vraie question. Ah, faut que je fasse quelque chose de cet objet. Ah, on peut zoomer, tiens. Ah, bah tiens, grosse découverte. On peut faire ça, tu vois, pour mieux voir la splendeur de la chose, quoi. Alors. C'est bien gentil, mais je ne sais pas où partir. Je pense qu'il doit y avoir une porte. Ah, bah elle est là, la porte, je crois. C'est une porte, ça, non? Non, c'est pas une porte, c'est une arme. Putain, je vois rien, quoi. Il y a un esprit, en tout cas, ici, là. Je l'entends. Vous entendez? Ouais! Je vous entends. Putain, je vois rien. Il se passe des choses. Il y a un truc à regarder, à mon avis, là. Pourquoi il y aurait un trou sinon? Ah, mais merde, je suis bloqué. Je sais pas comment faire pour sortir de cette salle, dis donc. Ah, peut-être ici. Le reflet. Non? Ah, la jambe de bois. Alors, c'est l'enfoiré, pourquoi payer une jambe, pourquoi la... Bon. Et maintenant? Bon, en tout cas, il y a un truc qui me parle ici. Hein. Je vois que dalle, mais il y a des choses qui me parlent. Ouais, le lustre, peut-être. Bon, faut y aller, la salle n'est pas grande, hein, après tout. J'espère juste que le jeu n'a pas bugué. Et que, en fait, j'aurais dû aller dans une autre salle et finalement je suis bloqué dans cette salle. En tout cas, ils me disent en bas à droite que j'ai un bocal de sang. Alors, comment interagir avec? Je n'ai aucune idée. À mon avis, il faut peut-être un inventaire, allez savoir. Je vais le vérifier. Attendez vite fait. Je pense pas. Putain, mais. Je sais pas où il faut aller. Ça m'emmerde. Je vous avoue que ça m'emmerde là. Je sais pas quand le jeu me fait ça en fait. Normalement, jusqu'à présent, tout est guidé. La salle, je n'ai pas d'interaction avec, je peux pas sortir non plus. En tout cas, quand je m'approche des esprits, il se passe quelque chose. Il y a mon effet tout qui change. Peut-être qu'il faut rentrer dans l'armoire, allez savoir. Pourquoi les esprits me parleraient? Ou la fenêtre, là, allez savoir. Non, je trouve que ça a bugué. Hein. Tout à l'heure, le jeu l'avait crashé au début. Vas-y. Ah non, il y a que. Honey, what in the world are you doing? What did the doctor say about straining yourself? Leave that thing alone. It's not going anywhere. Ok. Bon, c'était pas un bug.
Bon, ben, je pense que dès que nous allons faire échappe, nous allons mourir. Il n'y a plus les esprits qui me parlent, en tout cas, là, maintenant. Oh putain, la porte est finie. Oh! Hello, my friend! Ah non, la porte est toujours là, cassée. En tout cas, il n'y a plus les esprits qui me parlent. Ah, maintenant, ça pue. Ah, maintenant, ben, c'est le tourne-disque, ok. Allez. Allez! Allez! Ah non, c'est ça. What the fuck? Voilà, là, et ça. Voilà. Nous n'avons pas fini le carnage. Veuillez conclure votre... Mais dis donc. Ah, on coupe pas dans mon discours quand même. Laissez-nous... Voilà. Non. Ah merde, c'est bugué. Alors attendez. Comment on tourne ce truc? Comme ça, ok. Que je le tourne moi-même. Mais... Ah, il se passe des trucs, c'est moi qui le bloque en fait. Pourquoi? Attends, ça doit être cassé. Ah, ça doit être ça. Ok, on recommence. Que les enfers s'abattent sur la terre et qui embrassent par les flammes et qui consument l'être humain dans cet obscur endroit qui est Layerville. Oh yeah. Voilà. Nous avons récupéré l'arme, on va dire, les instruments du diable. Maintenant, nous pouvons repartir dans l'entre-deux du tableau. Allez, adieu, mon cruel. Ce fut un plaisir d'avoir négocié avec vous. En tout cas, vous m'avez... Ah, ben voilà, ça y est, on revient au niveau du tableau. Allez, on continue la peinture. Nous n'avons pas fini le travail, Philippe. Continuons. Mais continuons, dis donc. Oh, des choses. Alors, attendez. Ouais, ça, on l'avait déjà vu. Celui-là, pareil. On est en train de collectionner. Enfin, c'est là. Il y a un objet ici, en tout cas. Oh, stop looking at me like that. It's just a little something to help me focus on my work. That's all. Ok. Bien. Continuons la peinture. Ah, il y a un truc encore là. Ah, détail personnel, malgré tout, tu mérites probablement grave erreur pour toi, terminé. Ok, il faut finir en fait. Très bien, continuons la peinture obscure du tableau maudit. Fais-moi voir. Attends, j'aurai le tableau. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? On a un peu l'impression de voir un cadavre embroché sur quelque chose, là. Et là, du tas de fumier, je sais pas. Que se passe-t-il? Oula, attendez, on va lire dans l'ordre. D'abord, j'ai cherché une toile, mais pas n'importe laquelle. Il me fallait un couteau, mais pas ce pour couper les pains, le pain. Il devait être aussi affûté qu'un rasoir. À vrai dire, j'ai utilisé un rasoir et ensuite, j'ai délicatement écorché la peau. L'alcool m'a aidé à contrôler ma main. Ça, on l'avait déjà lu. Ça, c'est ce qu'il avait dit au début. Ensuite, ce qui est maintenant. J'avais besoin d'un bocal et d'un tube en plastique. J'avais siphonné de l'essence avant. Je savais comment faire. J'ai enfoncé le tube dans une veine et j'ai aspiré jusqu'à que le sang remplisse ma bouche. J'ai ensuite placé le tube dans le bocal. Ça ne cessait de sortir. Le goût du cuivre m'a hanté la nuit entière. Pourquoi n'ai-je pas pensé à utiliser une seringue, bordel de merde? Parce que t'es juste un putain de psychopathe qui cherche juste à faire le mal, à faire des chaperons rouges en train de se faire bouffer par des putains de loups-garous, à part ça, et créer des Jean-Claude, ou des frères de Jean-Claude dans tous les sens, observant le... Bon, par contre, il m'a dit de regarder ici. Un bouquin. Ah, la collection. Haha, la collection. Allez, vas-y, non mais... Ouvre le bouquin, ouvre le livre. Voilà. Alors, voyons aller voir la collection, là. La femme au piano, ouais. Ouais, c'est beau. C'est beau le vide, en tout cas. Ah. J'ai trouvé sa petite collection de bouteilles de... Ouais, ça, on s'en bat les couilles. Merde, oh, fuck. Ok, ouvre la poche.
J'oublie que c'est comme ça qu'on tourne. Ouvre les pages, Philippe. Ouvre les pages. Alors, le bouquin, je veux bien. Ouais, c'est bon. Merci, au revoir. Là, c'est notre collection, quoi. En tout cas, il nous manque beaucoup de choses hein, pour finir le bouquin. Oh là là, le jeu est loin d'être fini. Hein. Oh, j'ai peur. Oh, putain, trop d'enfer encore. Bon, ben, partie 3, c'est parti. Yor, il est. Ok, c'est bon, on a le temps. Let's go. Partie 3. Je vous jure que ce jeu va finir par me faire une crise cardiaque. Ok, porte verrouillée, porte fermée, rien du tout. Porte verrouillée. On commence toujours parce qu'on peut pas y aller en fait. Comme ça, ah oh, on peut voir en plus là. C'est que ça. Bon, en tout cas, on peut pas l'ouvrir. Comme ça, c'est fait. Bon, vu que Kaline, toi, tu viens à peine d'arriver, pour l'instant, c'est ça allait, tu vois. Tu es arrivé, c'était encore tout tranquille, il n'y avait pas trop de peur. C'était en nous, franchement, avec Nico, on était déjà dans l'ambiance, tu vois. On savait, on avait déjà l'ambiance, tu vois. Donc là, on était plus en mode, bon, ça va, là, pour l'instant, c'est tranquille, on savoure le moment. Mais sache que chaque parcours, c'est un putain d'enfer. Je sais pas si t'as déjà vu ce jeu-là. Mais c'est horrible, quoi. Littéralement. Bref. J'ai même pas envie d'ouvrir la porte, pour vous dire. C'est trop angoissant. Bonjour. Alors, qui on a là? Ok. Un petit nouveau. Bah, enchanté, petit nouveau. Enchanté, moi, c'est Danilo. Tu m'as Danilo. Pas vraiment. On va dire que là, c'est... Putain de trace. Excuse-moi, j'ai peut-être mal parlé, mais... Faut pas faire ces choses-là. Faut pas faire ces choses-là. Par contre, garde le tableau. Garde le piano aussi. On arrive au bout du couloir. Ouais. Philippe ! Qu'est-ce que tu as fait encore ? Dis-moi tout. Faut revenir en arrière ? Bon. Ah bah faut revenir en arrière, bordel. Ok. Bon, moi j'aime bien ouvrir tous les armoires, hein, parce que... Même si ça sert à rien, mais vu qu'on peut le faire, je le fais. Ok. Putain, y a même pas de musique, quoi. Y a même pas de musique, please wait. Yeah. Oh, fuck is that? Blocage du créateur. Ça veut dire qu'une chose... pièce interdite là les mecs. Oh fuck is that? Oh what the fuck? Ok. Bonjour poupée. J'ai même pas envie de voir ce qu'il y a derrière cette porte, quoi. Bon, bah, quoi, il faut y aller. Oh putain, je sais même pas où il faut aller. Ah. Merde, on... Oh fuck, on est implanté dans le truc, ok. On est rentré dans la salle. Oh, fuck. Ah! Oh putain! Ok. Faut pas faire ça avec des millions. Va chercher la poignée comme un con, quoi. J'aurais pu commencer par ça, Philippe. Oh, putain. Oh, putain. Alors, ouais, voilà. Voilà. Oh, bonjour. Hello, my friend. Oh. Il se passe des choses, là. Oh, une petite porte. Allez. Allez, la lumière. Ouh, la lumière. Bon, on va aller par là. Ouh, je crois me rappeler. Ah non, je me rappelle pas du tout, en fait. Ouh, attendez, ça me rappelle 2-3 trucs, ça. Ouh, petite porte fermée. Mais en tout cas, je me demande s'il y avait pas quelque chose. Merde, ok, bon, j'ai choisi d'aller là. Bon, bah, c'est comme ça. Fais ton choix, Philippe, fais ton choix.
les couloirs sombres. Ok. Okay, j'espère que c'est pas les choix. Genre, en fonction de là où tu vas, le tableau prend une tournure. J'allume tout, moi. Je vous le dis tout de suite, j'allume tout. Voilà. Parce que moi, le noir, vous voyez, j'aime pas. En tout cas, on a loupé une combinaison, ça qui me dégoûte quand même. On a loupé une combinaison, on a loupé un objet en cas. J'aurais su, je me serais attardé un peu plus dessus en fait. J'aurais pu avoir une interaction dessus en fait. Bon, parce qu'il fait. Allô? Ouais, j'arrive! Ah non, par contre, je. Ah non, pas le téléphone du diable, pas disponible actuellement, je suis désolé. Ou c'est sa nouvelle application, allez savoir. Oh, on s'en fout, arrêtez de me suivre. Qu'est-ce que c'est? Mais je tourne en rond, bordel! Billy! Ah, le voilà, le coquin! Oui! Ah, bah non. Merde, je peux pas interagir avec. Bon bah, on tourne. À mon avis, il doit y avoir un truc à faire. Ok. Ah ah! J'ai trouvé, enculé! Yes, Billy. Eh oui, c'était obligé. Je tourne toujours du même sens depuis tout à l'heure. Vous inversez le temps. Yes, Bill. Non, je continue d'avancer dans ce sens. Parce que ce sens a un sens, vous voyez ce que je veux dire. Putain, on tourne en rond, on tourne en rond. On sait pas où on va, mais on tourne en rond. Ah, pour une fois, il n'y a pas les mêmes salles. Ah, est-ce que c'est ça par à droite? Enfin! Ça y est! Au revoir! Frange du démon. What the fuck? Qu'est-ce que c'est? Souvenir agité. Oh. Bon, moi, je vois ça. Fuck! Tranquille. Ouais, je vois que ça agité par ici, dis donc. On s'amuse avec les rideaux, là. Hé! Hey, c'est quel petit con qui joue avec les rideaux? Oh putain, des portes dans l'air et tout. Mais qu'est-ce que c'est que ce Beans? Mais, what? Oh! Alors, battement horrible, sinon, battement constant, mangeant les autres rats. Ok. Bon, bah, le rat a muté. Ah, il y a un message là. Souvenir dérangé. Ouais. Je vois ça. Oui, une fourchette même. Donc on cherche en haut en fait. La solution est sur le plafond. Ok. Nyeh. Putain, sur le plafond. C'est nous qu'on est plutôt sur le plafond. Ok. Mais voilà, c'est le toit ça. C'est bizarre. Ah, ben voilà, on se comprend mieux là. Par contre, t'as disparu, il n'y a plus d'assiette là-haut. Ok. Bon, bah tirons-nous. Tirons-nous d'ici. Oh, fuck. Oh non. Oh non, pas encore elle. Pas encore elle, non. Sortez-nous d'ici, bon sang. Oh. Et les rideaux. «
putain, ouvrez la porte. Oh, je vois la femme. En tout cas, heureusement qu'il n'y a pas des choses qui nous courent au cul, quoi. C'est ça qui est bien. Parce que, franchement... franchement, les monstres qui nous courent au cul, ça, j'aime vraiment pas dans le jeu d'horreur. Et là, c'est que du scream. On n'a pas de choses qui nous courent au cul, qu'il faut vite y aller vite, vite, avant qu'on se fasse bouffer. On a juste du scream en fait, ça c'est bien, mais putain, je vous jure qu'à un moment donné, je vous ferai Amnesia The Machine of Pig, parce que je l'ai jamais fait. J'ai fait que Amnesia The Descent, mais j'ai jamais fait le Amnesia Machine of Pig. Et je vous promets que celui-là, faut que je le fasse, parce que celui-là, on a vraiment des trucs qui nous courent au cul. Ah là là, et ça c'est bien. Je pense que je vais rester en jeu d'horreur, je pense. Allez hop. On descend! Parce que oui, on montait depuis tout à l'heure, donc on descend maintenant. Il nous reste le sous-sol à faire. Ah. Abandonne l'espoir tant que tu peux. Non. Je veux finir mon tableau. Je veux finir mon tableau. Aucune porte m'arrêtera. Même mon cœur continuera. Pourquoi une salle si sinistre? Pourquoi je ne peux pas y aller? Pourquoi je sens qu'il y a quelque chose derrière moi? Ah. Bonjour. Tu as les petits couloirs à droite là comme ça? Ah, j'ai horreur de ça. C'est bien. Il y a la chose que j'ai horreur dans ce putain de jeu. De l'eau bénite! De l'eau bénite! Bon, je laisse tourner l'eau parce que j'ai aucun respect. Voilà. En plus, on peut pas l'enfermer. Ah, mais tiens, il est automatique en plus. C'est bien, ça. Il est bien, il est automatique le robinet. C'est bien. Ouh! On va aller tout droit déjà. En tout cas, on peut pas y aller. Ah, si, on peut y aller. Ouh, bah, je suis curieux. Je suis facilement curieux. Bah, je suis quand même curieux aussi de savoir ce qu'il y a de cette porte. On peut y aller. Salle de bain, quand même. C'est mon ombre qui te perturbe. Nous remplissons le lavabo. On ferme la cuvette. On ouvre la cuvette. On ferme la cuvette. On ouvre la cuvette. Ah. Ah, c'est du sang. Ah, c'est devenu du sang maintenant. Et une poupée aussi, tu vois ça. C'est... Un rat. Très bien, encore un rat. Flotteur silencieux, il bouche les tuyaux. Fourrure dans l'eau. Pas de bain pour moi. Ok. Bon. Allez. Bonjour. Oh. Ah ah, tu crois que j'avais pas vu la faille, enfoiré. Oh, on retrouve les objets, tiens. Objets, celui-là on l'a déjà vu. Je sais pas qui casse le verre, mais on pourrait quand même nettoyer, non? Voilà. Je m'en fous plein la maison. Ok, bah y'a rien ici, nickel. Allez, ferme la porte. Une bougie. La lumière, c'est la délivrance. La lumière, c'est la délivrance. Allumez-vous! Allumez-vous, démon! Putain.
Mais c'est pas vrai, y a plus rien qui marche dans cette baraque. Mais allumez-vous. Ah, ben voilà. Oh, trois salles. Bon, bah gauche. Parce que je suis gaucher, ouais. Bon, bah, fuck le gaucher. Bah, je suis droitier. Bah, fuck le droitier. Bah, je sais pas quoi dire, là. J'y vais avec ma bite. Allez. Ma bite et mon couteau. Ouais. Bon, bah, on retente. Bah merde, je sais plus dans quel sens j'étais. Ah oui, c'est comme ça. Alors, bah, je reviens de là où je suis venu. Ah bah voilà. Au revoir. Oh. Space. 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 Oh, le blanc rouge, regardez. Bleu, blanc rouge. Tintin, la France. Allez. Spé. Oh, je vois que dalle, quoi. Lumière. Lumière. Ok. Galop, 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 galop. Ah, le sous-sol. Ah, le meilleur endroit de ma vie. On va crever. Putain. Non. Oh, le piano. Oh, le piano. Alors, lui, mon gars, c'est le piano. Qui? Oh. Oh, l'ambiance qu'il me fout, là. Tranquille. C'est qui? Ce son putain qui me glace les. Oh, c'est quoi ça? On dirait qu'il y a un réacteur qui est en train de s'allumer, les mecs! Oh putain! Effroi suspendu, patience, soif, sanguine, un poil de. Oh! Ok, bon, bah on fait notre collection, on avance, il y a le piano. Ça, je l'oublie pas. Il y a le piano. Il y a le piano. Oh, attendez, il y a quoi là? Il y a que dalle. Oh, le son. Le son de l'angoisse. Le son du piano. Levez-vous. Élevez-vous dans les cieux. Je vous le demande. Je suis votre Dieu. Je suis votre créateur. La musique fera votre élévation dans le monde. Levez-vous. Réveillez-vous, forme obscure. Vous serez maudit si vous vous recouchez à nouveau. Vous êtes maudits, tous comme vous l'êtes. Bon, je me casse, piano, ciao. Bonne route, je vais vers la poussière, vers l'obscurité. Écarte-toi. Petite caisse ignoble, what the fuck. Est-ce que je t'ai demandé de t'arrêter, Philippe? Philippe. Philippe. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? I needed to remove the flesh from the bone. Lost. At first, I was lost as to how, but then I sawed it off with a handsaw, boiled it, then put the bone in a mortar. I had to get one, obviously. This was not something I'd done before. Finally, I mixed the dust with some white paint. It made for a lovely undercoat. Lost. La solution, c'est l'os. Bon, ben on se tire de là. Bon, je pense que j'ai dû tout prendre. Bon, si j'oublie des choses, je m'en fous. Hein. L'essentiel, c'est de finir ce genre de cas. Je pense pas que finir notre collection fait que, voilà, quoi. Y a pas plusieurs fins, je pense pas.
toi, j'espère. Allez, on se tire. Oh yeah, ça y est, complétons. Bah finalement, ça a été rapide, ces égouts. Bah c'est sous-sol, quoi. Alors, la collection, je m'en branle. Ça en a. Ouais, d'accord, la collection, très bien. Bon, mais continuons. Bah continuons, voyons voir. Je déteste malgré tout, perdu, sans elle, sans foi, tu seras toujours. Un malentendu, gros texte, terminé. Finis-moi la toile. Alors, voyons voir. Oh fuck! Alors, soit c'est un putain de spectre le machin qui s'élève. Je sais pas, moi dans cette image je vois deux jambes, un corps, une tête. Une tête. Qui fait peur. Pas de bras. Non, c'est vraiment bizarre. Quoi. Pardon. En tout cas, au début, je crois que c'était un pendu, un mec qui était des cadavres au début. Mais en fait, pas du tout, c'est un spectre, le machin. Bon. Soit. Bon, la collection est loin d'être finie. Et si tu échoues? Y'a moyen. Allez, Léo, fais-moi voir. Ah ah. Oh non! Ça devait pas se déplacer! Ça devait pas se passer comme ça! Ça devait pas se passer comme ça, non. Ah non, le spectre, tout s'explique. Tu as eu les streamers jusqu'à présent, mais tu n'as pas encore eu les personnes qui se baladent dans la maison. Et si tu courais un peu, tiens, pour voir. C'est parce que n'oublie pas qu'on t'a donné une fonction sprint. Elle doit bien te servir. Oh merde. Alors là, mon gars, je peux te dire qu'une chose. Cassons-nous de là. Putain, non, pas les spectres. Pas les dames en pleurs qui se battent dans la maison, quoi. Pas ça, quoi. Oh, fuck, c'est quoi, ça? Oh, putain. Oh, fuck. Fuck. Fuck, c'est quoi, ça, putain? C'est des draps? C'est où est la femme qui est rentrée? Ok, on s'en fout. Ah, là, 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 là. Oh, cœur brisé. Tout fait sens, c'est la petite! Tout s'explique, putain, c'est la petite! C'est la petite! Là, tout le monde dit, va vers la maison! La maison est là! Mais moi, je suis d'ici, non, je vais vers la forêt! Délirant. Ouais. Bon, ben, je vais vers le cosmos. Ivrogne. Ouais. Et la maison. Égoïste. Non, c'est faux. C'est faux. C'est complètement faux. Je suis bien, je suis gentil. Je suis bien. Ok, c'est du verre. Ah, ouh, la pute pas. Ah. Oh, du sang. Du sang. Du sang. Ah, what the hell? La maison change de forme. Ouf! Très bien. Oh putain, les esprits m'appellent fortement là. Plus que d'habitude. J'arrive, ma fille. Je vais te sortir de cette... Oh! Teddy? C'est toi? Alors là, je fais allusion à The Last of Us, The Last of Us, à The Mang Sleep. The Mang Sleep. Je crois que c'est un truc comme ça, avec le bébé. Teddy. Mais sauf que ce playthrough, je l'avais mis sur YouTube, mais j'ai pas pu tout le mettre parce que j'ai supprimé les vidéos avant. J'ai pas eu le temps, j'ai eu des problèmes et tout, donc j'ai pris tout le playthrough et je l'ai foutu à la poubelle. C'était au moment où j'ai voulu fermer ma chaîne, en fait. Donc, vous avez pas pu voir le playthrough entièrement, et en plus j'ai supprimé les anciennes vidéos. Mais à la base, c'était un ours, quoi. Il était tout le temps avec nous, qui faisait de la lumière et tout. Voilà, il faisait flipper. Putain. Teddy, tu ne mourras pas deux fois, sache-le. Tu es l'ours qui parle. Et tu es... L'ours. Hey. Pas content. What is that? Wait.
What day is it? It's Sunday? You mean I... Oh, well, why didn't you come and get me? God damn it! You know how I get when I'm caught up in my work! Ton travail de sadique. Je vois tout. Bon. Mais Teddy, excuse-moi. Parce que c'est une porte de mot. Bon. Oh, what the hell? Qu'est-ce que... Les rats. Ce sont à force, hein, les rats, ils me font plus peur. Ce que j'appréhende un peu, c'est la femme qui se déplace, en fait. Ça, par contre... Je suis un peu moyen sur ça, en fait. C'est un peu ça qui me dérange, quoi, le plus. Après, le reste, non, ça va. Les collections, qu'est-ce que c'est? Merde. Bon, bah, on n'a pas pu voir, je voulais tourner la feuille, mais... On a rien... Sauf qu'il faut bien fouiller, en fait, hein. On a des choses cachées. Ok, place de l'enfant de mariage, guillemagnénia, attendu, le bonheur des parents, les nouveaux mollets, blabla. Et tata, tatati, tatata, blablabla. Ouais, très bien. On s'en fout. But... What? Une porte ici? T'avais tout le décor chaud. Ok. C'est l'effet du lourd, ça, c'est Teddy. La malédiction de Teddy, là, ça y est. Gauche droite. Bon, bah, je vais aller là. Bah, on va aller de l'autre côté alors. C'est pas grave. Non, tout est pareil. Ah, une lumière. Et... Quick. Ouais, quoi, non, c'est pas un Q, c'est cool. Quick. En tout cas, c'est quick. Merde. Ah. Ah non, c'est bon. Je crois qu'il y avait une lettre en fait sur la poignée. Oh, Albert. Bon, Albert est parti. Je l'ai grillé tout de suite, en fait. Albert est illuminé! Ah, les chaussures, laissez-les-moi! Sweet Jesus! Did you just buy half of the department store? Honey, you don't even know yet if it's gonna be a boy or a girl. Ok, en fait, il est en train de créer son propre enfant, enfin. Son propre enfant en peinture, quoi. Bah, où il a créé en poupée vaudou, je sais pas, en poupée. Je sais pas comment ça s'appelle le truc. En poupée de quoi. Putain. Bon, ben on repart. Merci de ta clarté. Ok, en tout cas, ce qui est pas mal, c'est que le décor change à chaque fois. Alors, qu'est-ce que c'est? J'ai dû retirer la plupart des poupées de sa chambre. Cela devient ridicule de lui balancer des chapeaux à chaque fois que tu sens coupable de quelque chose. N'aide pas, elle a besoin de tempère. Pas de diversement inutile, là. Ok. Blablabla, c'est... Bon, on s'en fout, en fait. C'est pas très important. Parce que j'ai besoin, c'est le juste continuer mon tableau, quoi. Et survoler tous les screamers, ce serait bien. Et surtout celle de la femme. Oh, tranquille, la porte, tranquille. La porte qui s'emballe un peu. Allez, hop. Le cœur me plaît bien. Il est plus charmant. Regardez, il bouge et tout. Regardez, boum, 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 quoi. Ben voilà, regardez, il est tout beau. Je veux le toucher, le cœur. Qu'est-ce qui se passe? Observons le cœur battre dans cette toile. Stupéfait, hein, Jean-Claude. Stupéfait. Par contre, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qu'il y a de... Tu ne bats plus. Tu bats. Tu bats plus. Tu bats. Tu bats plus. Bon. Continuez. Bon, bah, de toute façon, on n'a pas le choix, hein. En fait, dire le cœur, c'est de dire, tiens, courage, tu sais que ton cœur, il palpite. En fait, il reproduit ce que t'as sur l'instant même, en fait. Il dit, voilà comment ton cœur est actuellement emballé quand tu entends ce qui se passe derrière cette porte, en fait. Voilà comment nous, on ressent ce que tu ressens. Bon, bref, en clair, c'est la merde, quoi. Putain. J'arrive. Oh, putain. Oh, sors pas de la chambre. Pitié, sors pas de la chambre. Je me taille. Excuse-moi, mais j'ai pas envie d'y aller, franchement. Des flammes. On peut se tailler. Mais vas-y, je suis trop curieux. Il se passe quelque chose là-bas. Ils disent de pas y aller, mais je suis sûr qu'il y a un objet qui se cache.
Il serait en forme de mettre un gros screamer sur un endroit qu'on voudrait pas y aller. Bon, il devait y avoir un bonus dans l'autre côté, hein, mais bon, putain, quel bon enculé. Quel bon enculé. Bah, elle m'a tué, quoi, elle m'a bouffé, voilà, fin d'histoire. Ah bah voilà, la fameuse chambre que je voulais pas y aller tout à l'heure, en fait. Bah, finalement, il m'a obligé d'y aller quand même. Pour dire, tuer. Jean-Claude, je t'ai vu trop tard. Tu es un. Tu es une créature dans le tableau, là, je t'ai vu. Tu peux pas te cacher, je t'ai vu trop tard. Trop tard, Jean-Claude, t'es grillé. Espèce de maudit, voilà. Je te maudis, Jean-Claude, je te maudis. Ouais. Oh putain, fuck. Bon, qu'est-ce qui a marqué? Il paraît dans notre... Hein? Il parle dans notre dos, ok. Je t'ai vu! Trop tard, Jean-Claude, trop tard. Regarde, regarde, regarde. Ah. J'étais à l'œil, Jean-Claude, j'étais à l'œil. Oh fuck. Jean-Claude! Putain. Jusqu'au bout, Jean-Claude, quand même. Oh putain, je croyais que j'allais voir le tableau et tout, mais en fait, non, quoi. Il est trop tôt pour le tableau. Très bien. On va allumer les bougies. On peut pas. Pour se tirer. Ah non. Bon, on connaît l'astuce déjà, de ça. On repart en arrière. Putain, non. Pourquoi la même salle? T'es dit? Ouh. Tu es qui, toi? Qui es-tu? Enfant du démon. À mon avis, chaque salle va s'empirer. Psychologiquement, ça va s'empirer. Mais encore celle-là, c'est juste pour te dire, tu croyais, mais... Oh fuck. Oh, merde. Oh fuck. Ah, vas-y, rigole. Laisse-moi sortir. Ça me troll. La petite, elle me troll, quoi. Ça va pas se passer comme ça. Oh, fuck. Ok. Lumière, 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 lumière. Je l'ai vu, celle-là, regardez. Vous croyez que c'était une simple petite... Putain de salope. Putain, c'est bon. Oh, des poupées. Des poupées. Des poupées. Putain, ça va m'attraper la gorge, elle va me triper dans quelques secondes, je sens. Je suis sûr que vous êtes vivant. Parmi vous tous. Vous êtes maudits. Maudits tous. Maudits. Tous maudits. Oh putain. Qu'est-ce que tu me réserves, Charles? Annabelle? C'est toi? Annabelle? Oh putain. Ne me dis pas qu'il y a quelque chose derrière moi, Annabelle. Annabelle, t'es toujours là? Ah ouais, mais ça me dit d'aller là-bas aussi. Oh, Annabelle, pourquoi? Qui est le screamer? Alors, c'est qui? Oh, c'est toi. Oh oui, j'étais sûr. Il n'y a que toi, Charles. Et en fait, Charles, tu me demandes de me retourner là, actuellement, c'est ça? Tu veux que je me retourne?
Charles. Oh putain, Charles. Qu'est-ce que c'est que ça? On se retrouve. Petite chaise. Alors, à mon avis, dès que je vais me retourner, je vais me trouver dans ce couloir en fait. Oh fuck, il se cache. Oh, c'est sûr. C'est super bien fait, hein. Mais putain, quel monde d'enfoiré. Dis-toi que c'est qu'un gosse, mec. Bah, un peu violent comme gosse quand même. Un peu violent le gosse. Ouais. Oh putain, il y a des... Oh putain, mais what the fuck? Je rejoue, j'ai l'impression d'avoir déjà vu cette scène. Oh, headshot. Headshot. C'est notre labyrinthe. Headshot. Toujours tout droit. Toujours tout droit. Ne pas rater. Oh fuck. Ne pas rater sur les côtés. Non, là. J'espère que j'ai bien fait. C'est un putain. Charme. Rouge, j'ai l'impression de reconnaître cette salle. Serais-je dans... Non. Non, je reconnais pas cette salle. Attends, juste avant qu'on continue. Est-ce qu'il y avait des choses dans cette salle? Non? Non. Ok. Ouf. Bon, poupée est finie. Ou à moitié. I had the most beautiful dream last night. I dreamt he came to me, embraced me, loved me, as he once did. But we both know that while I dreamed my silly little dream, it was you he really lusted for. Perso, il me donne pas envie cette porte, mais bon. Annabelle, ne dessine plus. Qu'est-ce que c'est, Slender? Lion, approche. Oh putain, mais ouais, t'es des bruits de monstres maintenant. Ils sont sérieux là? Non, pas des monstres. À gauche, à droite, en face. Oh putain, la porte blanche. Ah, on peut l'ouvrir, mais attendez. Ok. L'enfant, Annabelle. Chucky ou Annabelle? Attends, je vais toucher ton jouet, tu m'en veux pas? Tu m'en veux pas, je touche ton jouet? Elle est verrouillée ton jouet, putain.
Tout est lié à toi, je suis sûr. Pourquoi je peux pas toucher le jouet? Il y a un truc qui me bloque? La clé doit être quelque part. Allez. Non. Ok. Ah ah. Il manque quelque chose d'autre. Qu'est-ce que c'est, putain? Là, c'est trop calme, j'aime pas. Le tableau. Tout est toujours lié au tableau, putain. Ou les pantins, là. Ou il faut revenir en arrière. Non. La lumière. Tout est lié à la lumière, bien sûr. Non. Ah, bah, il va y avoir un autre indice. J'ai pas tout fouillé. Ah. Tu vas pas aimer. Tu vas pas aimer quand je vais toucher ton jouet, putain. Ah putain, c'est ça. Allez, adieu. Ouh, trop bien. Ouh, ça bouge. Sacrée histoire. Alors t'as aimé? Je t'ai raconté une histoire, hein, c'est bien. Bon, c'est pas ce qu'on dit normalement au petit, mais... This was a special brush. Like a horsehair brush, but different. At that point, I hesitated. Will this really work? Fuck it. I was already halfway through, and besides, it's not like I can just put it all back and forget the whole thing. Ok, bon ben retour, voilà, ben, ça va servir, hein. L'objet pour continuer notre peinture. C'est parti, on va utiliser les cheveux de mon enfant. What the fuck? Non, sur celui, ça va, il était pas trop violent comme screamer. On commence à être habitué au screamer derrière les portes maintenant, c'est bon. Hein. On nous l'a fait plus maintenant, c'est fini, c'est dépassé. Ah, voilà. Bon, bah ça commence à s'empirer en tout cas dans la salle. C'est bien beau. Ah, d'où le bébé, c'est bon, tout s'explique en fait. Ok. Bah, continuons, hein, continuons. Finissons ce dessin. Il déteste malgré tout, perdu seul, sans froid, il y a toujours rien, il y a toujours rien. Espérer un gravier, très bien. Okay.
Alors, qu'est-ce que ça va être? Après le diable. Enfin, après le spectre. On a le visage d'un démon, putain. Bah voilà, en fait, ça va être bien violent, en fait. Bah, un mec charcuté, quoi. Coupé en deux, déjà, coupé. Donc on va les tripes, tout. Ouais, c'est un cadavre, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, c'est quoi, les... Alors... Il devait retirer la chair de l'os. Il n'avait qu'au début aucune idée sur la manière de faire. Mais ensuite, je l'ai coupé avec une scie à main. Je l'ai bouilli et je l'ai mis dans le mortier. Dans un mortier, putain. Et j'ai dû m'en procurer un. C'était bien entendu ma première fois. J'ai fini par mélanger la poussière avec un peu de peinture blanche. J'en ai fait une sous-couche sympathique. Okay. C'était un pinceau spécial, comme un pinceau en crin de cheval, même différent. À ce moment-là, j'ai hésité. Cela allait-il vraiment marcher? Rien à foutre. J'avais déjà presque fini, et puis ce n'est pas comme si je pouvais récolter les morceaux et tout oublier. Bon, c'est ce qu'il a dit en fait. Hein. Bref, allez, on avance. Théorier. Bon, vas-y, on bouge jusqu'à 19h. Maxi, après j'arrêterai. De toute façon, je pense que c'est bientôt la fin du jeu. Parce que normalement, la toile du jeu, c'est ça en fait. Donc, je sais pas. Je pense que le tableau est fini avec ça. Donc, la dernière acte. Je suis chaud pour un dernier acte. C'est une demi-heure par acte, ça va. Si on arrive à faire un seul épisode sur ce jeu, ce sera bien. Comme ça, on passe à autre chose. Sans moins de streamer, mais plus violent. Ok, tout le décor change. Ok. Voilà, la porte. Oh, il y a plein de portes en plus. Bon, bah, on va commencer par celle-là, qui est verrouillée. Attends, juste avant. C'est mettre des meubles, c'est pas pour rien. Bon, en fait, si. En fait, c'est bon. C'est une chose qui arrive. Ouh, un petit coffre. Ah bah verrouillé, dommage. Ok. Que dalle. Putain. Oh, ça s'assombrit en plus. Oh. Hey. Fais pas comme ça, Odin. Oh, il y a une personne à aller. Ça doit être un jouet. Il y a marqué un titre. Tourner en rond. On tourne en rond et on tourne en rond. Ah, c'est bon. Oh non. Oh non, pas ça. Lumière. Oh. Facile à oublier. Ivrogne. Oh, la toile. Oh, de la peinture. Oh, des portes fermées. Des portes fermées. Temps. Le temps n'a plus de limite. Ok. Ah. Bon, bah c'est cool. On a fait un petit tour de manège. Hello? Hello? Ah voilà. C'est comme ça en fait. Parce que je vois que dalle aussi, c'est la violence. Bon. Disons que pour ça c'est bon. Ok, on peut l'ouvrir. Pour savoir. Et lui, on peut l'ouvrir aussi. Gauche ou droite? Droite. Je suis trop bon, c'est ma chance avec ma. Gauche. Fucking mort. Oh, mais le décor a changé. Ok, bon, on a évité un screamer. C'est bien. On a évité le screamer, en tout cas. Si tu veux tout collectionner, il faut être joueur, en fait. Il faut pas avoir peur. Mais franchement, je me bats les couilles. Je suis pas un psychopathe, alors c'est bon. Allez. Merde. Oh non. On l'ouvre une fois, ça marche pas. On l'ouvre deux fois.
Ça, les portes des fois veulent pas le s'ouvrir, mais après elle veut s'ouvrir en fait. Ça, elle veut vraiment pas s'ouvrir, c'est bien. Donc c'est quoi le délire en fait? Il faut aller au bout. Ça fait sombre dehors. Il reste encore une heure. Bah ça va, on est dans le temps. Par contre, il faut que j'ouvre cette porte. Si j'arrive à le caler en un seul épisode, ce serait bien en fait cet épisode. Parce que je ne jouerai pas ce jeu, c'est trop violent. Il me fait, putain, mais comment on fait là? C'est quoi l'énigme? C'est quoi l'énigme? Il y a une énigme. Dans ce monde de fou. Ah, c'est cette porte, il n'y a pas d'autre. Putain, j'ai oublié un objet, ça m'a tout niqué quoi. Bon. Ah non, elle est là. D'accord. On repart en arrière. En arrière. Ah, est-ce qu'on peut utiliser la clé là? Non, bah en fait, non, c'est là, à droite. Bon, bah la voie en fait. Ok. Ok. Bonjour. Le petit rat. Petit rat dans la maison. La maison est en train de s'effondrer. Petit rat, petit rat. Je te suis, guide-moi dans la maison. Ne casse pas tout. Je reste à côté de toi dans les couloirs étroits de la maison du diable. Ok. Allez, allez, vas-y, grimpe. Très bien. Tu m'as emmené à la salle à manger, donc. Okay, bah, je te suis, t'en fais pas. Oh, wow, le rat! Oh putain, le rat! Oh putain, le rat! Ah, bah bravo! Ah, bah, bravo, je te suivais, tu voulais me tuer presque. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Ok, oh, il y a une combinaison. 1, 2, 3, 4. Ah, en fait, non, c'est pas une combinaison. Oh, mais je m'en fous, hein, je vais pas le faire, le jeu, arrêtez. Mais vrai pour qui, là? Oh! Pas non plus là, d'accord. Je suis sûr qu'il y en a plein qui l'auraient fait ce jeu. C'est pas moi. Parce que moi je suis comme ça. Merde. Oh. Il était pas cette échelle. Ça c'est ce truc là. Soit-il de veillette, mais. Faut vraiment le faire ou quoi? C'est quoi le délire là? On peut pas se baisser hein, donc comment on fait? Non, j'espère qu'on peut pas se baisser. Putain, est-ce qu'on peut sauter? On peut pas sauter, donc on peut pas monter. Mais arrête de pleurer. Je viens pas trouver. Ah bah oui. Ah merde, combinaison. Tout est à rapport à cette putain de fiche. Alors Ah putain, je suis obligé de le faire, mais vous êtes sérieux? Bon, allez. La combinaison, c'est le rat. Please. Ok. On a. Alors, c'est le 3. 3. 3. 3. 3. Je suis sûr que je fais de la merde, en fait. 3. 3, 6. 3, 6, 7. 3, 6, 7. 3, 6, 7, 8. 3, 6, 7, 8. Ah, mais non, il compte pas lui. 3, 6, 7, 8. 3, 6, 8. 3, 6, 8. 3, 6, 8. 3, 6, 8. Qu'est-ce qui va pas? C'est bien le rat. Oh putain, me dis pas que c'est pas le rat, quoi. C'est peu. Putain, chat, chien ou rat? C'est le rat. Il y a le signe, en plus, il y a le dessin et tout. Bon, on va partir comme ça en fait, on va partir au sens contraire. 6.
Ah, mais la combinaison, c'est ça, en fait, dans l'ordre. 1, 2, 3. Ok, attends, on va faire ça, alors. 6. 8. 7. 6, 8, 7. 6, 8, 7. 6, 8, 7. 6, 8, 7. 6, 8, 7. 6, 8, 7. Yeah! Et voilà! Et bim! Et bim! Tranquille. Allez, on y va! Putain, pour une fois qu'il n'y a pas un truc qui prend son temps à deviner. Ouh! Ah bon, bah voilà. La lumière! La lumière! J'arrive! Oui, Lera, allez-y! Oh bah non, c'était un fake. C'était trop beau. C'était beaucoup trop beau. Oh là là. On a juste laissé. Oh, lisez. Oh, lisez, putain, parce que moi je crois. Je vous laisse lire de votre côté. La musique de la victoire, ça, c'est sûr. Je peux qu'on compter comme ça. On m'ouvre le chemin. On ferme le chemin. Donc on est loin de la fin. Faut tout faire soi-même, hein. Oh. Ouais, encore le truc de l'alcool. Ok. Hologlobe. Hologlobe. Yo. Bulu. Ah, je m'en fous, je le fais tout le temps. Ça va bien déclencher un truc à force. La fameuse horloge. Le temps. La maison qui est en train de... Ok. Alors, c'est quoi le délire ici? Taillot. On va prendre quoi? Ouais. Oh. Je me souviens, la fois que je t'ai vu, t'étais en train de crever. Ah, il s'éloigne en plus. Bon. Yash. Allez, hop. Fucking mutt won't shut up! I can do that too. See? But can you paint? No? Well, that's all right. Neither can I, apparently. Éloigne-toi. Montre-moi la voie du tableau unique. Oh. L'œil qui voit tout. Vous m'observez. Mais moi aussi, je vous vois. Ça sent ma collection tout ça. Oh, attendez. Le coffre. Ah ah. En fait, toute cette pièce n'existait pas en fait. Mon personnage l'a imaginé. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a des choses cachées? Non. Bah non. Ouvrez les portes. Ok. Montrez-nous le tableau. En tout cas, ça fait moins flipper. Je crois que je commence à me mettre dans l'ambiance en fait. Ça commence à. Tu vois. Je commence à sentir, tu vois. Je commence à me mettre dans le truc là. Vous ne pouvez plus me faire peur, c'est fini. J'ai compris votre petit jeu. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Inspectez les toits des aménagements, posez une petite bouquet. Bien. Bien. Ah, bon, ça y est mieux comme ça.
Tranquille, tranquille, Lyra. Bon. Merci beaucoup, on est arrivé. C'est là-bas quoi ? Non, c'est là-bas. Oh putain, je m'y perds, quoi. Trop de chemin tue les chemins, quoi. Attendez, on va faire comme ça. C'est moi, est-ce que j'ai rien dit, vous pouvez toujours encore m'appréhender. Vous pouvez toujours encore me faire peur, mais encore c'était petit. Vous n'êtes pas encore arrivé au terme de du cœur qui bat encore. Vous m'avez juste surpris, si tu veux. Même toi, tu peux pas encore arriver, je suis sûr. Ça marche pas, screamer sur screamer. Je commence à calculer vos. Même toi, Philippe. Je t'appréhende maintenant. Je t'appréhende plus. Quoi. Oh, un objet. Hey there, princess. What? Oh, this is daddy's medicine. Whenever daddy's hurting, this helps the hurt go away. No, don't touch that. Oh God, I'm so. Wait, I'm sorry. I'm sorry. Ouais, tu lui as foutu une grosse gifle, quoi. En tout cas, c'est toujours béton, hein. Toujours béton, ça colle. En tout cas, ça a fini dans le congélateur, tout ça. Bref. Ok. Tu vas entourer les armoires. Je m'en lasserai jamais d'elle. What? Oh, what the fuck is that? Oh, mon dieu, dans l'armoire, il y avait des choses cachées. Vous voyez, ça vaut le coup de fouiller les armoires, des fois. C'est pour ça, tout était prévu. C'est des objets, quoi, que je pourrais utiliser plus tard. Très intéressant. Vous pouvez plus rien faire. Oh. Bien essayé, mais j'ai déjà trop pris sur la gueule pour... Il faut faire plus mieux que ça, maintenant. Après tout, je suis l'inventeur de ce cauchemar. Suis votre créateur. Vous ne pouvez plus me faire peur. Waouh. La chambre forte, quoi. Oh, le mécanisme. Très bien. Il y a un truc là-dessous, là. Ok. Bon. J'aurai le mécanisme pour l'ouvrir. Voyons voir. Où ça s'ouvre, ça? Comment ça... Ah, voilà. Un peu de douleur fait des miracles. Ouais, mais j'ai la poignée. C'est quoi, c'est le son de... Ah, c'est ça. Ah, putain, c'est comme dans Amnesia. Souffre! Souffre! Meurs, démon! Oh. Bon, je te remercie. Contre la lumière. On peut pas la voir la lettre. Ah ah. Attendez juste avant. J'entends un objet. Il y a un objet ici. Où est-il? Où est l'objet? Je vous entends. Oui, je vous entends. Vous êtes où? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Attendez, je me rapproche. Oui, je vous entends. Bon, je m'en fous, en fait, allez. Avance. Il n'y avait rien. Je vois l'effet. L'avantage, je l'aime pas du tout, elle. Celle qui m'emmerde le plus, en fait. Ok. Celle me fait... Oh, merde. Oh, putain, non. Pas ça.
Philippe, j'ai vu un truc ici. Je vais juste le récupérer. Ah, voilà. C'est ça que je veux. Il y a un objet là. Vous êtes là-dessous ? Je vous vois pas, Philippe. Je vous vois pas. Je vous vois pas. Putain. Il y a quelque chose au moins ici. Philippe ? Ça va ? Que faites-vous à l'envers ? Putain, ça fait flipper sa mère. Allez, vas-y. Bouge de là. Putain, j'avance dans l'obscurité sans savoir où je vais. Ah, il y a une porte là. Ah, bah c'était ça. Ah ! Putain ! Là, par contre, ils sont arrivés. Quelle bande de fumier. Alors, c'était vous, madame, hein ? Ah, vous êtes transformé en hobbit, du coup. Très bien, je vois ce que vous voulez faire. Bon, alors c'est quoi le... C'est quoi l'esprit? Ah, c'est ça. It's hopeless. Merde. I just can't take it anymore. I might as well try to paint with both of my arms broken. Ok, bon, c'est ça en fait. Merde. Ok, bon bah je crois que c'est bon, on a l'outil maintenant pour continuer notre peinture, pour finaliser notre peinture plutôt. Ah putain. Bon, ce coup-ci on descend. On est monté donc on descend maintenant. On descend dans les profondeurs. Descendant dans les... Non, on était descendu, donc on monte. Montez. J'en ai marre de descendre, on remonte. Tu vois, c'est quand on se sent dans, quand on est dans l'ascenseur, on se sent en sécurité, vous voyez. Ici, c'est le moment où vous n'êtes pas du tout en sécurité du tout, en fait, vous voyez. Oh, putain. Non, mais sérieux, je suis maudit, quoi. Ça, c'est un streamer, ça, putain. Oh, non. Non. Pas ça. Non. Non. Oh putain. Oh non, il est dans la salle. Sur l'ascenseur. Salut. Je crois qu'on va finir par crever en continuant à faire ça, en fait. Ah bah lui, il est bleu. Et lui ? What the hell ? Est-ce que je suis mort ? Oh, lui, je crois qu'il est mort, lui. Je pense pas qu'il fait partie du décor. Je pense que c'est un tag. Il est pas bien. Il a fait une dépression. Vous voyez, ce bout de décor n'a pas supporté l'ascenseur. Oh my god. L'heure était venue pour lui de mourir. Bref. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ah, on a un objet spécial. Appareil photo. Ah non, pas appareil photo. Hickory dickory dock. The mouse ran up the clock. The clock struck one. Horde ran down. Hickory dickory dock.
J'ai déjà fait la vanne, ça marche plus! Putain. Pas vrai ça. Ouais, Barber Style. Il me faut le tableau maintenant. Faut finir la peinture. Oh non. Pas encore. Oh, les démons se rapprochent. Ah non, c'est ça. You know, even though you are my rival and the source of all my sorrows, you're also the only one I can still talk to. The only one who will listen. I'm not sure if it's funny or merely pathetic. Probably both. C'est beau. On peut voir notre reflet? Non. What? On va aller là. Ah, c'est là où l'autre est ciné, c'est vrai. Ouais, plus rien. Alors ça veut dire qu'on est à côté de la porte, c'est cette porte. Ah, je m'en souviens d'ici. Hop, au revoir. Bonjour. Au revoir. Je vis. Non, je meurs. Je vis. Je meurs. Je vis. Et là, qu'est-ce que nous avions? Le tableau, si près du but. Et on meurt, on meurt, allez. Meurs ! Bonjour, mère. J'adore me foutre dans la merde. En tout cas, j'ai peut-être dû allonger le parcours. J'aurais dû avoir un parcours plus court. C'est des choses qui arrivent. Ah bah non, finalement, elle m'a ramené quand même là où il fallait. Bon bah... C'est des petits screamers qu'on sait d'avance, quoi. Ah, le bureau. Ah oui, le bureau. Mais... C'est pas ce qui m'intéresse, en fait. En tout cas, les lumières sont restées allumées telles que je les ai laissées. Une goutte de sang. J'arrive, j'arrive. Ah, c'est là-bas. Ah, c'est derrière ça. Ah... La porte, Sésame, ouvre-toi. Parfait. Oh putain, c'est le téléphone du président. Allô? Talk to me. Why won't you talk to me? Je te réponds là, allô? Attends. Hein? Merde, c'est quoi ça encore? La combinaison. T'as la combinaison. Tu peux faire appel à qui je veux, je m'en fous, y a pas d'indice. Ah, j'appelle qui je veux. Alors, on appelle le 3. Ah putain, d'accord. Attends, on va faire ça. Oh. What? Ok, j'appelle le... Attends, comment on fait là? Ça marche comment ce téléphone? Attends, j'appelle le 4. Bon, ça marche pas. Il faut trouver une vraie combinaison. Ok, bon, bah, c'est parti. La recherche de la combinaison. Des choses qui se passent avec cette porte. Ok. Alors, suivante. Oh, oh my god. Ah. Oh. Le code doit être inscrit dedans. Certaines personnes en ligne. Yeah. Pourquoi cette porte? Ah voilà. Ok. Bon, le code ne sera pas là. Bah, ne sera pas là non plus. Et là. Bah merde, il est où ce code? Bah, ce numéro, quoi. Ah! Merci! 363, merci. Merci, hein. Je crois pas que tu y étais au début. Hein. Faut me dire, hein, il y était au début ou pas?
Je me suis pas fait troller quand même, il y était pas, il y aurait vraiment pas. 363. Je sais pas, moi franchement je n'ai pas vu la lettre. J'aurais tapé ça, je sais pas. Putain, ça rend fou. 363, ok. 3. 6. 3. Putain, il y a encore un téléphone. Je suis fou, j'arrive. Ne bougez pas, je cherche l'armoire. What? T'es derrière ce mur. Je cherche. Bordel! C'est quoi? Derrière ce mur là, comment je fais? Tu me dis? Est-ce que tu me dis? Bon, c'est dans ces trucs, c'est obligé. Bon, ben, on va aller faire un par un. Première rangée, deuxième rangée, troisième rangée. Ben, de toute façon, c'est vraiment contre le fond, donc. C'est perturbant, je vois pas c'est quoi. C'est là, hein. C'est le plus près. J'ai entendu une porte, ça reste. Ok. Attends. Et après, elle va me dire, pourquoi tu réponds pas? Je cherche là, j'ai oublié le bouquin, je sais plus lequel bouquin j'ai choisi. Je sais plus lequel j'ai choisi. Oh là là. Ah, je crois que je tourne en rond, en fait. C'est pas ça, en fait. Alors, j'ai une idée. Ok, il fallait juste regarder au-dessus de ma tête, en fait. J'ai éteint toutes les lumières, mais c'était plus radical, en fait. Ok. Bon, bah excusez-nous. Je pars. Ah, bordel. Ah ah. Allez, hop. Bon, bah voilà. Il fallait juste regarder au-dessus. Tu vois, franchement, le jeu, il nous demande de regarder partout, en fait. Ok. Ah ah. J'arrive. Putain, j'ai vraiment l'impression de me retrouver dans les mains de Sleep quand même. L'ambiance, tout ça. Non, mais je vais tomber là. Je vais tomber. Oh, d'accord. Allô? You promise. Ouais. J'avais promis, mais... Oh putain, encore un code. Qui a le code de l'appel? Il faut aller là-bas. C'est ça? Qui a le code? Putain, mais qui a le code? Il faut redescendre peut-être. On va redescendre. Oh putain, on peut plus redescendre. Ok, c'est la base. On peut tomber par contre. Je pense qu'on peut tomber vraiment. Il faut que cette porte à la con qui se ferme et qui s'ouvre. On peut lire un truc d'en bas. Putain, je sais pas où il faut regarder, quoi. Réfléchissons. Un code. Le lustre. Il faut encore égorger quelqu'un. Putain, je vais tomber, quoi. Bah, je suis tombé. Je pense qu'il fallait vraiment tomber, je crois que c'était ça le but. J'espère. Ah, il fallait vraiment tomber, en fait, il n'y avait pas de numéro. Bon. Très bien. On se retrouve dans le bureau, ok.
Le code, please. Ouais, il était comme ça, il y avait pas de code, hein, c'était bien ça, voilà. C'était comme ça que c'était avant. Attends, par contre, je fais pas la même connerie, là. Putain, il faut tout refaire! Quel est le code? Pourquoi on aurait refait cette étape? Le code se cacherait-il le... Ça, c'est bizarre, ça. Ok, on a exactement les mêmes trucs. 363. C'est peut-être le même, hein. Allez savoir. Je m'embrouille le cerveau, mais... C'est le seul endroit où tu peux mourir. Ah, mais j'étais mort, en fait. J'étais mort. Ok. Soit dit. En tout cas, c'est un point de contrôle, en fait. Un vieux point de contrôle pour dire que t'es crève, que t'es mort. Bon, bah, si j'y vais, le premier, je peux plus refaire demi-tour. Donc, à mon avis, le... Oh, putain. 3, 6, 3. En tout cas, c'était l'ancien truc. Bah non, regardez, c'est pas du tout la même entrée. Non, mais c'est ça, en fait, tu peux pas mourir. Regarde, c'est bien la suite, hein. On avait pas du tout la même chose. Bah, en fait, tiens, cet escalier, je me rappelle pas, putain. Putain, c'est bizarre. En fait, si, putain, je sais pas, en fait, c'est super chelou. Ah, ok, je t'ai mort, ok, ça va pas du tout. Ok, donc le mot se gâche ici. Dans les tableaux, de toute façon, les numéros 1 la plupart du temps. Putain, la poupée est où? Donnez-moi le code! Le code! 363. C'était trop beau. Trop trop beau. Putain, mais comment on fait pour trouver le code là? Je vais bloquer comme d'habitude. En tout cas, pourquoi là-bas c'est cassé? Est-ce qu'il y a moyen d'y aller? Juste ça quoi. Est-ce qu'il y a moyen d'y aller? Bah non, en fait, il n'y a pas moyen d'y aller. Faut pas que je meure sans, je me retape tout. C'est délicat en fait. Il faut bien regarder au sol, hein. Ok. Oh bordel. Ah putain, ouais. 8, 5, 3. Putain. Pour ceux qui n'ont pas vu, hein, c'était là. Là. Merci, Kevin. 8, 5, 3. 8, 5, 3. Allô? Ah bah. Ah bah voilà. 8-5-3, yeah. Ça c'est tellement... C'est pour ça que c'est pratique de faire les vidéos de peur en Twitch, en live. Parce que quand je suis seul, la plupart du temps, c'est la merde. Je suis obligé de faire des ellipses et chercher de mon côté pendant des heures, des fois, pour trouver un truc. Je me rappelle sur Dispace, une heure une fois, j'ai dû chercher comme un con et la solution était devant mes yeux. Mais je suis devenu fou, je voulais pas avoir de solution en fait. Ça me rendait fou, quoi. It solves nothing. It never has. It never will. Fuck. C'est fracassé. Que se passe-t-il, bon sang? Albert! Oh putain. T'as fini de faire ta merde. Oh, il y a un truc là. Oh, il y a un téléphone. Attends, on se retrouve de l'autre côté de la toile, là. Albert. On part par où, là, Albert? 354. 354. Ok, Albert. 354. Ça marche. Allô? Ah ah. Fuck. Il est où le mot de passe pour là maintenant? Ça va donner. Non! Reviens!
Oh fuck. Oh merde. Allô. You deserve this. All of it. All of it. All of it. Fuck. Voilà, tu es mort. Bon, finis ce tableau. Allez. Taillot, cet endroit maudit. Oh putain, qu'est-ce qui manque encore? J'aime pas cet endroit. Trop glauque. Que manque-t-il? Ah bah voilà. I needed something oh, what? To add the... How should I put it? Final touches. A finger. I needed a finger. D'accord. Chopped it off. Easier than sawing a leg. Washed it. Dried it in an oven. Fell asleep. Almost burned it. Will I manage to pull this off? Vous êtes maudit. Vous êtes maudit. Putain, bon, on a la dernière... Par contre, j'ai pas compris à quoi il avait servi le... l'objet qu'on avait récupéré à un moment donné. Ah putain, ça y est, nous revoilà. Allez hop. Ah, ça fait plaisir, on se retrouve à la maison là. Allez, finissons ce dessin de malheur. Je te déteste malgré tout, tu dois te sortir du seul sans espoir réaliste. Finalement, tu seras toujours la quintessence. Il y a encore un moyen de terminer, bref. Achèvement du travail. C'était la pièce finale pour finir le tableau. Et voilà, fin. Voilà à quoi je ressemble. Eh ben je suis beau. Je suis magnifique. Et on finit l'histoire là-dessus. Merde. Ah putain, il reste encore. Ok, c'est quoi? J'avais besoin d'un outil pour... Ouais, bon, c'est... Ok, ça, c'est bon, on l'avait déjà dit. Oh non, il y a encore une étape. Oh putain, il reste encore un truc, quoi. Quelle heure il est? Oh, ça est tendu, là, par contre. Ça va être tendu. Il manque encore un final, et c'est bon. C'est la dernière boîte du puzzle, quoi. Bon, ben, les enfants, je pense que nous allons nous arrêter là. Il est bien 19h. J'aurai pas le temps de faire encore une quête. Donc, ce que je pense, vu que c'est la dernière place du puzzle, en espérant que c'est pas la fin, toute fin, ça me ferait chier que l'épisode fait 5 secondes. C'est quoi? Apprendre par les... Ouais, c'est encore une... Ça a encore un truc à ralentir. Ok. Donc je pense qu'on va s'arrêter là, donc je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Donc je sais pas quand, peut-être demain. Ouais, demain on est quoi? Demain on est jeudi? Ouais, demain. Demain, je pense que la même heure. Même heure, je ferai pour 14h. On va voir ce qui va se passer. Alors, je vous explique. Je finis ce jeu. Et j'entame tout de suite derrière un autre jeu d'horreur. Je sais pas encore lequel je vais prendre, mais il y en aura encore. Et j'en ai encore plein en réserve. Comme ça, je suis sûr que lui, il fera même pas une heure l'épisode, le prochain épisode. Donc du coup, ce sera pour un truc qui va durer une demi-heure l'épisode, pas plus, pour la deuxième partie. Et fin, du coup. On va dire qu'on aura tout torché le jeu dans un seul épisode. Donc c'est violent. Donc du coup, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Donc je suis pas tête pour savoir la fin de cette histoire. Et moi, je vous embrasse et je vais respirer fortement parce que toute cette pression-là... Bon, j'ai commencé à la garder en moi parce que là, à force, on commence à plus trop avoir peur par les streamers. Mais au début, c'était hyper violent quand on connaît pas le jeu. Oh la vache. Bref, voilà tout. Allez, je vous embrasse très très fort, les enfants. Normalement, ça va sauvegarder. Et je vous dis à la prochaine. Je vous embrasse. Portez-vous bien. Peace, c'était Davigo. Ciao.